Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Saint-Nicolas de la part de l'administration communale et du Centre d'études franco-provençales. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Je salue les étudiants qui sont ici après une semaine de travail, de recherche sur quelle langue on parle à Saint-Nicolas. On est curieux de le savoir. Et je salue et je remercie Anja Mitschke de l'Université Humboldt de Berlin qui a rendu possible ce travail. Nous voilà cette année aussi au traditionnel et prestigieux rendez-vous avec la conférence annuelle. Je profite de l'occasion pour remercier de la part de l'administration communale la directrice du centre, Christiane Dunoyer, le président Bruno Zanivan et les membres du bureau de présidence et tous les bénévoles qui pendant l'année collaborent pour rendre possible la bonne réussite de toutes les activités du centre. Les années dernières, mon introduction abordait toujours le thème, le problème du siège du centre. Eh bien, cette année, on a une bonne nouvelle. Finalement, dans le réajustement du budget régional de l'été dernier, des importantes ressources financières ont été mises pour l'entretien extraordinaire du bâtiment du siège du centre. Je prie donc l'assesseur Davide Sapinet, l'assesseur régional aux ouvrages publics, de remercier de la part de l'administration communale et je pense aussi de la part du centre d'études, de remercier le gouvernement régional et l'assesseur Guicharda pour avoir finalement, avec cette initiative, voulu reconnaître le rôle linguistique et culturel du centre dans le panorama culturel valdôtain. Ce résultat est sûrement le fruit du travail d'équipe pendant de différentes années de ceux qui ont toujours cru dans le centre. À partir de Christiane Dunoyer, du président actuel Bruno Zanivan, du président précédent Bruno Domaine, du syndic qui m'a précédé, Davide Sapinet, en tant que dans son rôle de syndic et maintenant au sein du gouvernement régional, mais aussi de toutes ces personnes qui, pendant les années, ont soutenu la cause du centre auprès des bureaux et des administrateurs régionaux. Le programme de la journée est très riche. Je ne veux pas voler du temps au relateur. Je vous souhaite donc un bon travail, une bonne journée ici à Saint-Nicolas et je passe la parole à Davide Sapinet, assesseur régional aux ouvrages publics, territoire et environnement. Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue à Saint-Nicolas moi-même. Les salutations du gouvernement de la région autonome Vallée d'Aoste, du Conseil, et c'est vraiment avec plaisir que je suis ici aujourd'hui. Je suis tout prêt, évidemment, ici à Saint-Nicolas. Marlène, notre syndic, il a déjà tout bien dit, le remerciement en particulier à Bruno Zanivan, Christiane Dunoyer, pour cette activité continuelle du centre, une semaine de travail. C'était joli de voir les étudiants ici, de voir cette activité qui va continuer, qui n'a jamais arrêté dans des années pas trop simples. Une activité qui ont porté de l'avant, évidemment, comme il a bien dit Marlène, Bruno et Christiane, mais qui voit à l'intérieur et autour du centre toute une série, les nombreux bénévoles, des bénévoles de qualité, des bénévoles qui n'ont jamais arrêté dans ces années difficiles. Bon, c'est vraiment avec plaisir et avec même un peu de satisfaction que le gouvernement régional a réussi pendant cette année 2023 à récupérer ce qui sont les ressources financières pour aller de l'avant avec ce qui c'est les travaux pratiques du centre, mais qui doivent représenter
un petit morceau d'un travail encore plus grand et plus important qui on doit porter de l'avant dans les années prochaines, une fois qu'on aurait terminé les travaux au centre. C'est clair qu'on doit vraiment imaginer de nouveau de repartir avec ce que c'est une activité même quotidienne et avec la question du personnel qui n'est pas banale et n'est pas simple à résoudre. Mais il y a absolument la volonté de la part du gouvernement, de la part de la majorité de l'administration régionale, mais je dirais de tout le conseil. Donc, bien merci à vous tous et à ceux qui sont en ligne, qui sont la témoignance pratique que le centre est très vivant, est un centre avec une activité de qualité et ça fait du bien, ça fait du bien à la région autonome Valle d'Aoste, ça fait du bien à notre Saint-Nicolas et ça fait du bien surtout au centre et à tous ceux qui dans ces années ont cru dans l'activité du centre et n'ont jamais arrêté. Donc un merci de tout cœur. Une bonne permanence à Saint-Nicolas et un bon travail à vous tous. Bonjour à tous. Bienvenue à Saint-Nicolas. À tout le monde, à vous tous qui êtes là pour écouter cette journée intense et à tous ceux qui ont accepté de participer à ce colloque. Mes remerciements les plus sincères à la commune de Saint-Nicolas, à tous ses habitants, au conseil communal, à Madame la maire, aux employés de la commune, à l'ancien syndic qui nous a porté les salutations du gouvernement régional. Le centre demande des efforts constants et continuels à la commune de Saint-Nicolas. Nous en sommes bien conscients que la collaboration est étroite et qu'il s'agit d'un partenaire vraiment essentiel, indispensable pour que nos activités puissent avoir lieu. Des locaux, des services. Tout dernièrement, la collaboration pour le sondage a encore rajouté un peu plus dans cette demande qu'on fait, dans ces nombreuses demandes qu'on adresse tout le temps à la commune de Saint-Nicolas. En plus des locaux, des services et tout le reste, cette fois, la commune de Saint-Nicolas a dû préparer, envoyer, distribuer des lettres à tous les habitants pour les informer de ce sondage qu'on mettait en place. Donc voilà, c'est une collaboration vraiment importante et pour ne pas dire essentielle. Deux mots sur ce sondage dont je vous ai parlé là. Il s'agit d'une réflexion qui est née déjà il y a quelques années. Sur le fait qu'on ne dispose jamais de données actualisées, de données numériques ou d'autres types d'informations sur les locuteurs. Et voilà, c'était une réflexion amorcée au centre. Et l'idée était née d'effectuer un sondage sur tous les habitants de Saint-Nicolas. C'était une hypothèse réalisable compte tenu du nombre des habitants qui est autour des 330. Et après, évidemment, le problème est toujours le même. Il faut repérer les ressources humaines, les finances, comment dire, les circonstances favorables à l'éclosion d'un projet de ce genre. Et bon, pendant quelques années, cela n'a pas été possible. Mais voilà qu'une collaboration suivie avec l'université de Berlin est née. Notamment à partir de la première édition de notre école d'été, c'est-à-dire en 2022. Voilà, de là, de fil en aiguille, on a construit un projet autour d'une semaine de formation avec un groupe d'étudiants qui seraient arrivés à Saint-Nicolas. Et donc voilà qu'autour de ce projet de formation, on a
pu associer ce projet qui a pris corps, donc un sondage. Cet après-midi, Anja Mitschk en parlera plus dans le détail, vous illustrera le projet tel qu'il a été mis en place et dont nous sommes tout simplement à la fin. C'est-à-dire que les étudiants, une partie des étudiants qui ont participé à cette semaine sont encore là. Et c'est pour eux un peu la journée de clôture de cette expérience Saint-Nicolas-Ens. Je remercie donc tous les intervenants qui ont envoyé des propositions intéressantes et qui ont manifesté un intérêt pour notre travail. Quelqu'un vient de très loin, comme Manuel Meun, qui est arrivé directement de Montréal pour notre colloque. Nous en sommes très honorés. D'autres n'ont pas pu faire le voyage, donc ils interviendront à distance. Ce sera le cas de Hans Goebel cet après-midi, qui parlera de l'Autriche, et de Michel Baer, qui va intervenir dans un moment, qui se trouve à Lyon. Tout le monde est là pour partager des réflexions originales et inédites, surtout à 150 ans de la naissance de cette nouvelle discipline qu'est la dialectologie. Et donc, nous pensons que voilà, le centre a imaginé qu'un colloque de cette teneur permettait de faire un peu un bilan, d'amorcer une réflexion globale sur les études dialectologiques franco-provençales. Nous avons présenté hier soir l'ouvrage de Gaston Thuaillon. Et voilà. Et la réflexion, on peut dire, continue dans la même direction. Nous allons nous interroger aujourd'hui sur les nouvelles pistes de réflexion et sur les nouveaux objectifs que les dialectologues peuvent se donner 150 ans après la fondation de l'Archivio Glottologico Italiano. Tous les corpus sont un héritage précieux des dialectologues, des générations passées, et peuvent être interrogés à la lumière d'un regard scientifique contemporain, non seulement, mais peuvent aussi être complétés par de nouvelles collectes. Donc il est intéressant de voir comment ce dialogue entre les anciens corpus et les nouveaux corpus, entre les autres générations de dialectologues et les nouvelles générations, comment tout cela peut se mettre en place. Avec Fabien Armand et Paolo Benedetto Mas, nous avons créé un petit comité scientifique à cet effet. Et nous avons identifié trois axes majeurs. Le premier axe, donc, les stratégies de mise en commun des corpus dialectologiques. Étant donné que le partage des données est quelque chose de fondamental, si les nouvelles technologies facilitent la mise en commun et qui la rendent praticable, de nombreuses difficultés risquent de ralentir ou de bloquer l'accès à ces données. Et donc, voilà pourquoi le fait de se rencontrer, de discuter sur les problèmes techniques, mais aussi d'ordre juridique, moral, etc., permettra peut-être de trouver de nouvelles portes de sortie et de créer des nouvelles synergies possibles. Cela vaut pour la communauté scientifique, mais ça vaut aussi pour la communauté des locuteurs, qui est aussi certainement une catégorie qui peut être intéressée aussi à avoir accès aux données qui concernent directement la langue qu'ils pratiquent. Les méthodologies d'exploitation pour la recherche, c'est le deuxième axe. Donc, en changeant tout simplement de focale, du micro au macro, on se rend compte que des phénomènes linguistiques encore inédits pourraient apparaître et éclairer des aspects du franco-provençal qui n'ont pas encore pu être élucidés. Des études transversales sur certains éléments de la langue, par exemple. Peut-être, pour faire émerger ou consolider l'idée d'un fond commun franco-provençal, ou bien éclairer des aspects
ponctuelles du franco-provençal, comme peut-être dans les domaines de la morphosyntaxe ou de la morphologie ou de la syntaxe, mais aussi dans le domaine de la sociolinguistique, évidemment, qui est un domaine encore tout à explorer. L'approche dialectométrique pourrait être convoquée aussi dans cette même optique. Et voilà que j'en viens au troisième axe, donc les nouvelles utilisations pour des finalités pratiques. Donc tous ces corpus, bien évidemment, je disais, ils peuvent être intéressants pour la communauté scientifique, surtout si on peut les partager et les mettre en relation les uns avec les autres. Mais ils peuvent aussi être intéressants pour les locuteurs, qui peuvent avoir beaucoup d'idées différentes quant à leur exploitation. Et voilà, donc les finalités pratiques pourraient être nombreuses, notamment dans le domaine de la pédagogie et de la promotion culturelle. Et pourquoi pas pour servir à un projet de standardisation de la langue si cela, on va dire... intéresse ou est quand même une priorité pour certaines catégories de locuteurs. Dans cette section seront donc attendues des réflexions concernant l'exploitation des corpus, vraiment, à des fins pratiques, non seulement une présentation des corpus en tant que tel. Et voilà, le moment est venu de passer au vrai contenu lié vraiment aux propositions de nos intervenants. Et donc, j'appelle ici Fabio Armand de l'Université de Lyon, de l'Institut Gardette, qui interviendra avec Michel Baird. Et j'ai le titre. Voilà, je te laisse la place pour... On a quelques minutes d'avance, donc lématiser les données dialectales de l'Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais. Quelles avancées pour l'étude et la transmission de la langue ? Merci. Voilà. Voilà. Alors, tu peux maintenant ouvrir la... Ah, je parle encore ici.
Est-ce que tu peux parler au micro, Michel? Je t'entends sur le téléphone, mais pas sur l'ordinateur. Est-ce qu'il y a le volume ici? Oui, on ne t'entend pas par contre ici. Non. Oui, ça va. Alors, on va essayer. Oui. Alors, il sort là et se rebranche. Ouais. Viene dal computer, non da qua. On peut augmenter le volume de l'ordinateur. Non, ah, bon. Ah oui, si. On commence et on a... Ouais. Est-ce qui c'est qui commence le temps? Oui, non, c'est moi, c'est moi. Okay. Alors on a quelques minutes. Oui, je peux commencer. Oui, je peux commencer. Et nous parlons de résoudre un problème technique. Mm. Est-ce que tu... Ah, c'est ça. Est-ce que tu sais votre email? Je peux pas répondre. Ouais. Ah, comme ça. Il y a la présentation. Ah. Voilà. Bon. Je vais parler avec ça. Oui, bien sûr. Alors, bonjour. On est désolé pour vous avoir montré notre incompétence technique avec l'informatique. Et en effet, il y aura une troisième personne qui doit être remerciée pour notre présentation. C'est l'informaticien qui nous a permis de réaliser le travail que nous allons vous présenter. Il n'est pas indiqué dans les personnes qui présentent cette communication, mais Sébastien Flavier nous a donné toutes ses compétences techniques pour la réalisation de la plateforme que je vais vous présenter, vu que mes compétences en informatique sont très proches du zéro. Donc, comme vous le voyez, cette présentation, on l'a préparée donc, avec Michel Baird. C'est un projet de l'Institut Pierre Gardette et du Laboratoire de dynamique du langage de Lyon 2 qui vise à travailler sur l'atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais. Vous voyez ici les volumes qui ont été édités à partir des années 50 jusqu'au dernier volume, celui des commentaires de 1976. Le projet est de mise à disposition en ligne de l'atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais de Pierre Gardette a commencé en 2015 par la numérisation des cartes de l'atlas. Il s'est ensuite poursuivi
dans les années suivantes par la réalisation d'une base de données et par une vaste entreprise de conversion en API de la graphie Julien-Rousselot qui avait été utilisée par Pierre Gardette pour transcrire les réponses du questionnaire. Les deux objectifs de cette première phase de notre projet étaient premièrement d'assurer la préservation de ces informations linguistiques et ethnographiques qui sont contenues dans les deux éditions de l'Atlas qui sont désormais introuvables. Et ensuite, on voulait rendre accessible dans la police originale et en API les données à la communauté scientifique et à chaque personne qui est intéressée par le patrimoine linguistique et culturel de la région représentée par cet atlas. Je vous ai mis des liens pour rejoindre la mise en ligne de ces données. Elles seront présentes ensuite, je pense, dans le chapitre que nous proposerons dans les actes du colloque. Donc, actuellement, les données de plus de la moitié des cartes de l'Atlas ont été traitées, même si pas toutes ont été validées par les chercheurs qui participent à ce projet. Donc, cette énorme avancée dans la transposition des données en API nous a donné la possibilité d'envisager une nouvelle phase de ce projet qui porte cette fois-ci sur l'étymologie et sur la lémmatisation des données dialectales de cet atlas. Il consiste notamment pour chacune des cartes transcrites en API. Ah, est-ce que tu peux prendre, Michel, le même lien que tu as reçu hier et pas celui que tu as utilisé aujourd'hui? C'est le lien que tu as utilisé hier et pas celui que tu utilises maintenant, c'est ça? Ah oui, voilà, parfait, oui. Non, oui, tu peux faire ça, oui. Je dois te réadmettre dans... Non, ça va. Moi, je peux continuer. Bon, on attend qu'on... Alors, on était en train de parler de cette nouvelle phase de notre projet, celui de l'étymologie et de la lémmatisation des données dialectales. Et j'étais en train de vous dire que cette nouvelle phase permet qui consiste mais notamment pour chacune des cartes transcrites en API à rattacher les formes et à l'étymon correspondant en indiquant donc la référence au FEV et à appliquer une entrée orthographique commune aux différentes occurrences des lexèmes qui sont apparentés. Ce projet a commencé en 2022 et a pu commencer à se réaliser grâce à la collaboration avec trois stagiaires de l'Université de Lyon 2. Cette nouvelle étape a pu commencer donc afin d'ouvrir le projet à une consultation plus performante des cartes de l'Atlas et surtout pour permettre la restitution du patrimoine linguistique et culturel à ce que nous appelons le grand public, c'est-à-dire les patoisans, les acteurs du territoire, ainsi qu'aux enseignants qui sont intéressés à une initiation au franco-provençal. Il s'agit de personnes qui ne peuvent pas être à l'aise, par exemple, avec les notations de type scientifique, donc la graphie Julien-Rousselot et notre transposition en API. En plus, ces nouveautés dans notre projet nous permettent de générer des retombées très importantes dans le domaine de la transmission de la langue. Comme peut-être vous le savez, depuis 2021, il y a eu cette avancée énorme et très tardive, malheureusement, pour l'enseignement des langues dites régionales sur le territoire français. Et nous avons trouvé donc un terrain très propice pour pouvoir commencer à réfléchir à partir de l'étymologie et de la lémmatisation à comment utiliser ces informations pour la transmission de la langue. En effet, jusqu'à maintenant, les données de l'AILI mettaient principalement en évidence les dimensions de la synchronie et de la variation diatopique. Nous pouvons, grâce à cette avancée, introduire
en utilisant l'étymologie, une épaisseur historique de la langue franco-provençale et proposer aussi, en nous appuyant sur la lemmatisation, une ressource lexicale commune aux locuteurs de toutes les variétés du franco-provençal. Donc, cette première partie de la présentation, comme vous le voyez, est plutôt très concrète, très technique. Michel, dans quelques instants, vous montrera un exemple de traitement des cartes et vous montrera de quelle façon on peut arriver à utiliser le matériel que nous construisons grâce à cette plateforme. Mon objectif est de vous montrer un peu la plateforme et vous montrer qu'est-ce qu'on fait matériellement pour arriver à la réalisation des cartes que vous allez voir dans quelques instants. Comme je vous ai dit, la transcription des données dialectales de l'ALI et la transposition en API donnent principalement une vision très phonétique des parlers du lyonnais. En intégrant donc premièrement une partie étymologique, on peut aborder la question de l'évolution diachronique de ces parlers en nous intéressant du lexique au lexique et à la sémantique. Et je vous montre, vous voyez ici, c'est l'interface, c'est la page vierge de l'interface de saisie des étymons. Vous voyez en haut à gauche qu'il est possible de sélectionner chacune des cartes présentes dans l'atlas, de les charger, de voir donc les transcriptions en API. Il est aussi possible de consulter le volume 5 qui a été rédigé par Gardette, c'est celui des commentaires des cartes. Il est possible d'afficher la carte et originelle, donc en graphie, Julien Rousselot. Il est aussi possible d'accéder directement au FEV en ligne. En cliquant sur cet onglet nouveau que j'ai mis en évidence en rouge, vous accédez à la possibilité d'intégrer pour chacune des cartes les étymons. Si vous cliquez sur « Nouveau », il s'affiche cette nouvelle partie que j'ai mise en bas, où vous pouvez insérer l'étymon, la référence au FEV, et en bas, il y a une section « Commentaires » qui permet d'intégrer les informations que Pierre Gardette avait insérées dans le cinquième volume de son atlas. Vous l'aurez compris, l'ouvrage fondamental qui permet de réaliser le travail d'insertion des étymons est le volume 5 des commentaires et des index de l'ALI. Comme vous le voyez, il a été édité en 1976, donc après la mort de Gardette. C'est grâce à sa collaboratrice, c'est Madame Durdilly, qui a pu traiter les 80 cartes restantes après la mort de Pierre Gardette. Mais Pierre Gardette avait une idée très précise de ce qu'il voulait réaliser avec ce commentaire. Au début, il pensait suivre les principes adoptés par Jaber et Jud pour établir le index de l'AIS, et il écrit très clairement dans la préface de cet ouvrage, si nous lisons la première citation, il écrit que dans le cas de l'atlas lyonnais, il s'agissait de retrouver sous les formes patoises les mots de l'ancien français, du français moderne, du provençal ancien et moderne, de typiser les formes franco-provençales et de présenter ces mots dans l'ordre alphabétique en regroupant dans le même article ceux qui ont la même étymologie. Donc malheureusement, il se rend vite compte de la difficulté de réaliser ce travail, car comme il écrit un tout petit peu plus loin, un tel index, donc sur le modèle de l'AIS, il s'avère bientôt irréalisable. Il dit que la typisation... vous ne voyez plus la citation, alors attendez. La typisation qui était bien possible en Italie, où les dialectes sont vivants et qui possèdent souvent une tradition orthographique, apparaissait extrêmement difficile parce qu'arbitraire dans mon domaine, où l'on ne peut pas dire qu'il existe un dialecte lyonnais ni un dialecte forésien et où il n'y a aucune tradition orthographique, ou du moins à l'époque moderne. Une autre difficulté que Gardette met en évidence est celle de pouvoir distinguer sous les vêtements patois, les mots qui ont été empruntés au français, anciens ou modernes, ou aux variétés de OI voisines, les mots qui sont autochtones, bien qu'ils aient un correspondant en français ou dans le dialecte d'OI, et ceux qui viennent du franco-provençal, et ceux qui, étant autochtones, ont une commune origine avec les mots provençaux correspondants. Alors, vous verrez que ces réflexions sont très importantes et qui ont des retombées significatives sur la réalisation de notre projet.
C'est pour toutes ces raisons que Pierre Gardette, il écrit un peu plus loin qu'il décide de ne pas chercher à typiser les mots franco-provençaux et de préparer pour chaque carte un commentaire dans lequel je dirais ce que je pouvais savoir de la forme et de l'histoire de chaque mot. Mais notre projet, il permet premièrement, d'un côté, de compléter le travail étymologique qui a été commencé par Gardette. En effet, dans ses commentaires, Gardette ne indique pas l'étymologie des mots qui sont empruntés au français ou qui ont un correspondant français proche. Dans notre projet, on intègre dans notre base aussi les étymons et la référence au FEV pour tous ces mots. Et la deuxième grande avancée est celle de la lemmatisation. Comme nous l'avons vu, Gardette ouvre la question de la lemmatisation du franco-provençal, mais il dit que c'est extrêmement difficile parce qu'arbitraire. Avec notre projet, on peut avancer dans ce travail. On est bien évidemment conscient que c'est très difficile de réaliser la lemmatisation des mots de l'Aïli. On ne pense pas être mieux que Gardette, bien évidemment. La seule chose qui change, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à notre disposition des outils que Gardette n'avait pas à son époque, comme par exemple l'ouvrage que vous voyez ici, c'est La langue franco-provençale, qui a été édité récemment par Jean-Baptiste Martin et qui est issu d'un travail de groupe qui a été réalisé avec la collaboration de plusieurs personnes qui sont ici, entre autres. Il y a Marc Brun pour la Savoie. Vous connaissez déjà Christiane, je pense, et hier, vous avez rencontré Andrea Rolando, et aussi pour la Suisse, Raphaël Maître. Ce groupe a donc proposé des principes graphiques que nous utilisons pour la lemmatisation des données dialectales. Vous voyez ici à nouveau l'interface de notre plateforme. Dans cet encadrement que j'ai indiqué en rouge, on va insérer le LEM. Et on demande à nos étudiants et aux personnes qui collaborent de partir principalement par le dictionnaire mis en place par Jean-Baptiste Martin. Dans le cas où on ne peut pas trouver la référence au LEM dans ce dictionnaire, on propose de passer à consulter le dictionnaire de Dominique Stich. Et vous voyez qu'il y a aussi la possibilité d'intégrer un LEM, on pourrait dire, qui est proposé directement par le chercheur qui est en train de faire ce travail. Je pense que si Michel est encore en ligne et si on l'entend, on peut passer à un exemple de carte qui a été traitée en utilisant cette plateforme et cette interface. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, tu peux parler, Michel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous m'entendez, Fabio, c'est bon? Oui, ça va. Parfait. Je suis désolé, je ne pouvais pas être à Lyon et ma caméra ne marche pas, mais c'est pas très important. Alors, pour illustrer la démarche qu'on a adoptée, évoquer certains des problèmes que l'on rencontre avec la lemmatisation, on a choisi une carte, la carte 313 de l'Atlas du Lyonnais Brebis, qui est apparemment simple. Alors, la carte de l'ALF que vous avez sous les yeux propose une vision d'ensemble. Et le rectangle rouge indique le domaine de l'Atlas du Lyonnais à la jonction donc entre l'Occitan, les langues de l'île et le franco-provençal. Diapo suivant, s'il te plaît. Merci. Sur cette diapo, vous voyez les commentaires de Gardette à propos de cette carte Brebis. Je vous laisse parcourir rapidement. En résumé, il distingue trois bases étymologiques possibles. En un, les formes issues de fétin, et dans cet ensemble, il distingue trois sous-ensembles, des formes féin, feuille, dans l'air franco-provençal, des formes fien dans la zone occitane frontalière au sud, et une forme fédin qui est typique de l'Occident. À l'est et au nord, on a des formes issues de haut vicula,
et au nord des formes brebis que Gardec considère comme françaises. Il n'avait donc pas indiqué les timons. Sur cette diapo, l'outil de cartographie qui a été développé pour la plateforme permet de voir la répartition de ces formes. On a indiqué pour aider à la compréhension la limite du franco-provençal, le trainois. Donc, dans différentes nuances de vert, les formes issues de feta, en bleu, celles qui viennent d'Ovicula, et en rouge, les formes brebis. En gris clair en haut, mais ça ne doit pas être très évident, on a trois points dans lesquels il n'y a pas eu de réponse, et le point 3, il y a eu deux réponses qui prouvent peut-être que pour les trois points précédents, les témoins hésitaient. Pour la double réponse du point 3, il est indiqué de la forme fouet qu'elle est vieillie, EV. Sur la gauche, vous voyez les informations qui ont permis de générer cette carte. Diapo d'après. Alors, pour les problèmes que pose la lématisation des différentes formes, on va regarder cette carte feta. Au départ, on a hésité, puis on s'était dit que pour certaines tests, on lématiserait, quand ça serait possible, l'ensemble des points à la franco-provençale, une lématisation franco-provençale des 75 points de l'Atlas. Donc on va voir si ça tient la route, si c'est faisable. Alors on va commencer par les formes issues de feta. En vert clair, feia, feia, feia. Ça ne pose pas de problème. Jean-Baptiste Martin propose le lemme FEIA, F-E-Y. Les formes en vert brun au sud, elles ont également été lématisées en FEIA, alors qu'en fait on prononce FIA, ce qui est peut-être plus discutable. Et puis la forme du point 57, je crois, en vert foncé, on l'a lématisé FEIA, alors que ce qui est vraiment discutable pour une forme FEDA. Alors, on peut consulter le TESOC pour voir comment, en occitan, ils ont lématisé. Ça va, vous m'entendez? Il y a un problème? Non, ça va. Oui, tu peux continuer. D'accord. Alors, tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Voilà. Alors, ici, vous avez en bas les propositions dans le TESOC, la base de données occitan. Proposition de lématisation. Alors, la forme FEDA, la flèche blanche à côté du tableau, elle paraît tout à fait adaptée. Voilà. Elle paraît tout à fait adaptée au point 57. Par contre, elle est plus discutable pour les formes FIA du sud. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on est dans la zone que notons à appeler amphizone, où on trouve des formes occitanes un peu atypiques. On pourrait comparer avec la carte fauchée, donc des formes issues de C carré. On a des Seia en franco-provençal et des Sia en occitan, dans Bailly. Et de la même manière, le TESOC lématise les formes Sia, Sega, S-E-G-A-R. Maintenant, si on regarde les formes issues de Ovicula, la diapo d'après, s'il te plaît, qui sont en bleu. On va regarder d'abord les formes de l'Est. Le TESOC propose de l'M-O-E-L-H-A, pas de problème. On pourrait s'interroger sur le point 24, qui est considéré comme franco-provençal. Vous voyez sa forme dans la police originale et en API, dans le petit rectangle vert. Elle n'a pas d'atone finale, c'est normal, on est dans la zone que Thuayon a appelée franco-provençale francisée. Alors, si on devait lui créer un lemme, Jean-Baptiste Martin proposait OI2LE. Mais on peut s'interroger sur l'intérêt de lématiser une forme attestée une seule fois dans toute l'ère du franco-provençal. Ensuite, diapo d'après, s'il te plaît. La forme houille du point 5, au nord cette fois.
Sur le modèle du TESOP, on pourrait l'allématiser O-U-A-I-2-L-E, la forme française, puisqu'on est à la lisière des langues d'œil. Enfin, le lem brebis. La lématisation paraît simple, il faut prendre la forme française brebis, y compris sans doute pour les points franco-provençaux. D'ailleurs, on pourrait se demander, une lématisation franco-provençale de la forme brebis, ça donnerait peut-être la même orthographe, peut-être sans le S final. Et ça, il faudra demander à Jean-Baptiste s'il veut intervenir tout à l'heure. Alors, pour conclure, à partir de cet exemple, contrairement à l'option choisie au départ, il n'est pas envisageable de lématiser à la franco-provençale l'ensemble des points. Ça conduirait parfois à proposer des lèmes qui sont vraiment très éloignés de la forme phonétique attestée. Par exemple, feia pour une forme occitane, feda. D'autre part, on voit que les formes occitanes du sud de l'Atlas, qui appartiennent donc à l'amphizone nommée ainsi par Noton, peuvent être complètes à traiter, mais il nous semble qu'en fait, c'est au TESOP de régler ces problèmes-là, qui sont relativement complexes, puisqu'on est dans la franco-provençale occitane. Enfin, dernier point, il ne nous paraît pas très utile de créer un tempestivement des lèmes franco-provençaux pour quelques attestations sporadiques qui débordent dans la forme, dans l'air franco-provençal. Par exemple, la forme du point 24, ou pour quelques formes qui sont manifestement françaises, ou qui proviennent des parlers d'Oïl voisin, le cas de la forme brebis. Une démultiplication de l'aime, ça serait même contre-productif, ça évoquerait l'idée, ou ça accentuerait l'idée, que le franco-provençal n'est qu'une addition de parlers avec chaque fois un lexique différent. Et ça contribuerait à nier toute unité possible de la langue. Voilà, Fabio, je te laisse la parole pour la fin. Merci. Alors, merci, Michel. Pour conclure, si on a encore 2 minutes, on aimerait se rattacher à ce que Christiane a dit avant, au troisième axe de ce colloque, c'était celui de voir dans la pratique. La suite des recherches scientifiques, si elles ont des retombées sur la société. Et pour ce qui concerne ces deux avancées dans le travail sur l'AILI, j'aimerais mettre en évidence ces quelques dates. Vous voyez, le 21 mai de 2021 a été votée cette loi, la loi qui est connue et avec le nom de loi dite Molac, qui est relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Cette loi cherche à apporter pour la première fois des mesures de protection et de promotion sur le territoire français pour les langues dites régionales, et cela principalement dans 3 domaines, celui du patrimoine, de l'enseignement et des services publics. Quelques mois plus tard, comme vous le voyez, on est à décembre de 2021, un cadre d'application et de promotion de l'enseignement des langues et des cultures régionales vient aussi reconnaître pour la première fois, pour ce qui concerne le franco-provençal, la possibilité d'être enseigné mais facultativement aux écoles primaires et secondaires. Marc Brun, il sait très bien la difficulté d'enseigner le franco-provençal mais jusqu'à ce moment-là. Mais nous pensons qu'avec les avancées de notre projet, on pourrait contribuer à bien soutenir ces activités de transmission de la langue, une langue qui malheureusement perd continuellement des locuteurs sur le territoire français. La lématisation a en effet des formes dialectales relevées par les enquêteurs de cet atlas. Il permet d'ouvrir cette documentation dialectologique a une exploitation grand public et de dépasser une vision fragmentaire à la fois géographique et phonétique qui est souvent associée à cette langue. Grâce donc à la construction de cette base de l'EM, on pourrait mettre à disposition une représentation unitaire
du lexique franco-provençal aux locuteurs de toutes les variétés de cette langue. En même temps, il est aussi très important de focaliser notre attention sur le travail des étymologies qui a déjà été conduit par Gardette et que nous allons compléter avec notre projet, car travailler sur les étymologies, il nous permet de donner, comme je vous ai dit déjà, une certaine épaisseur diachronique à cette langue, ce qui permet, avec la riche littérature écrite qui date au moins du XIIIe siècle, de transmettre une image plus positive du franco-provençal, donc celle d'une langue historique et unitaire dans son ensemble, ce qui pourrait nous aider pour montrer que le franco-provençal, il respecte bien évidemment l'idéologie du standard qui est imposé par le ministère pour reconnaître une langue enseignable ou pas sur le territoire français. Hop. Il n'y avait que les remerciements, mais je voulais faire de vive voix. Voilà. Et alors, merci pour votre attention. Et si vous avez quelques questions, nous sommes heureux avec Michel. Pour les questions, je pense qu'il faut venir ici car vous devez être enregistré. Je reste ici. Je reste ici alors. Et alors, je vous remercie. Michel, s'il est encore en ligne, je le remercie pour l'intervention. Et on peut... Merci à vous. Merci, Fabio. Merci, Michel. On ne t'a pas vu, mais tu étais là avec nous. Merci. Voilà. Alors, c'est très bien. On est parfaitement à l'heure, même un peu en avance. On enlève encore ça. Voilà. Et ça. Et ça. Voilà. Alors, maintenant, le moment est venu de passer la parole à Manuel Meune. Alors, on se déplace un peu, on va en Bresse. Et voilà, je n'ai pas le titre de ton intervention. Voilà. Je ne suis pas habitué au Mac, comment je... Juste pour l'afficher complètement. Voilà. Est-ce que je peux juste faire un... Est-ce que vous m'entendez, là ? Pas bien. Ok. Non, c'est que le micro n'est pas... Non, il faut le garder, mais c'est pour l'enregistrement. Je veux juste faire un essai sur Bon, je verrai plus tard si l'audio marche. Bien, bonjour tout le monde. Je suis merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Et je vais vous parler d'une région dont on ne parle pas si souvent que ça, la Bresse.
J'avais annoncé que je parlerais du parler contemporain de Romney, qui est une petite commune. Je vais le faire, mais c'est aussi l'occasion pour moi de présenter le projet d'ICO Franpro, qui n'est pas très connu. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu où j'en suis, puisque le projet remonte à 2016. Et à l'aide, ça me permettra d'illustrer ce qu'on peut faire pour étudier un parler en particulier. Donc ce sera une ébauche d'analyse plus qu'une analyse, une vraie analyse. Donc c'est un projet que j'ai commencé en 2016, qui a été financé par l'Université de Montréal et par par la région Rhône-Alpes, grâce à l'intervention de Jean-Baptiste Martin. C'est un dictionnaire sonore. Je précise que ça fonctionne uniquement sur ordi et pas sur les téléphones portables. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il faut absolument le faire depuis un ordinateur. L'adresse du site est là, sinon vous pouvez toujours googler Dico Franpro et vous reviendrez là-dessus. Donc ça a évolué beaucoup et je vais vous montrer en quoi ça a évolué. À l'origine, j'étais très ambitieux. C'était un projet à trois volets. Il y avait le Bressan, le Fribourgeois, le Valaisan, avec des exemples sonores qui venaient pour Fribourg d'Anne-Marie Herli ou de Manuel Rion, donc qui avaient des chroniques ou qui enregistraient eux-mêmes des textes littéraires. Jacques Mounir pour le Valaisan. Et puis, c'est un projet très chronophage. Et la vie est courte, donc je me suis recentré vers le Bressan. En plus, il y a beaucoup moins de ressources pour les parlers bressans que pour les parlers valaisans et fribourgeois. Donc pour l'instant, il y a quelques milliers de, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'EM, des entrées tout simplement, mais déjà 14 000 exemples audio dont certains sont employés plusieurs fois. Alors, pour certaines entrées, vous avez des exemples pour chacun des trois parlers initiaux, mais la plupart, vous aurez simplement des exemples pour le Bressan. Et comme vous le voyez, j'emploie les graphies régionales et l'ORB, et il y a toujours la traduction vers le français. Alors, je sais que l'ORB est une graphie controversée, mais elle a l'avantage d'exister. Moi, je vois ça comme une graphie de dialogue qui permet de mettre en perspective un petit peu les différents parlers, passer de l'un à l'autre, voir ce qu'il y a de commun. Et de toute façon, je ne peux plus changer de système. J'aurais pu adopter quelques années plus tôt la graphie mise en place par le groupe dont Fabio a parlé. Mais là, je reste à l'ORB. Un petit rappel quand même pour ceux qui ne connaissent pas la Bresse, c'est une plaine qui est à cheval sur les domaines d'Oyle et d'Oc, mais je me concentre bien sûr sur la partie franco-provençale. Vous avez, je vais sortir ça, on va voir si ça marche, parce que j'essaye de pointeur, mais il n'y a pas de pointeur, bon. Donc vous avez ici les zones d'entretien que j'ai faites, donc c'est le cercle rouge. Ici la ligne entre les zones d'Oyle et Franco-Provençal. Je tiens à associer aussi, pas directement au projet, mais à mon travail en général, François Dauvergne qui est un linguiste bressan qui devrait être là. Enfin, j'espère qu'un jour il va venir là parce qu'il a vraiment une vision panoramique très diachronique des parlers bressans. Il connaît très bien la littérature des derniers siècles. Il a dépouillé beaucoup d'archives et il a fait lui-même des... Comment j'appuie là ? Il a fait lui-même des entretiens. Bon, ça c'est pas grave. Il a fait lui-même des entretiens dans une zone qui est à peu près la même, un peu plus à l'ouest et un peu plus au nord que la mienne. Voilà. Donc, j'ai appelé ça Dilali, un contexte de Dilali extrême ou Dilali résiduel, on pourrait dire, pour quand je m'interroge sur le type de bilinguisme collectif qu'on peut avoir en Bresse. Alors, tout le monde connaît le terme diglossie,
Et je reprends le concept de Dilali à Beruto, qui, pour qui le terme de diglossie est trop générique pour décrire des situations qui sont très différentes. Donc il propose de le garder pour des situations stables décrites par Ferguson, donc pour Haïti, la Suisse allemande, etc. Et il réserve l'usage de Dilali à un usage du dialecte qui est fortement en déclin et on a une coprésence des variétés dites hautes et basses dans la conversation informelle. Donc c'est une situation où la majorité de la population a une compétence communicationnelle qui est meilleure en général dans la variété dite haute, donc le français ou l'italien selon le cas, même lorsque la variété basse est la langue maternelle. Alors lui applique le terme à la vallée d'Os, mais a fortiori on peut l'appliquer à la Bresse où l'usage spontané de la variété basse est très très rare. C'est réservé à quelques courts dialogues entre voisins ou à l'intérieur d'une fratrie. C'est ce que j'ai pu constater, puisque les derniers locuteurs natifs sont nés à la fin des années 1940. Alors ça, c'est le bilan des entretiens que j'ai fait ces dernières années. Donc le bilan 2023, c'est des entretiens semi-directifs. Je précise que j'avais commencé en 1985 avec des entretiens bilingues. Je posais des questions en français à mes parents, à mes grands-parents, et ils répondaient en franco-provençal. Et depuis 2007, depuis que j'ai réappris la langue et que je peux mener des interviews dans cette langue-là, c'est seulement des entretiens qui ont lieu uniquement en franco-provençal. Vous avez ici 29 informateurs et informatrices qui représentent 6 décennies de naissance. Les locuteurs natifs, ça va jusqu'à 1940. 1940, c'est la décennie charnière. Vous avez aussi des néolocuteurs, locuteurs tardifs, bon, tout dépend comment on les définit, dès les années 1940 jusqu'en 1960. Il y a très peu de néolocuteurs. Il y a François d'Auvergne, moi-même, peut-être un ou deux autres, mais c'est assez rare. Alors, il y a certains villages qui sont plus représentés que d'autres, Confrançon, qui est le village de ma grand-mère, et puis Mantenay-Montlin, où je rencontre des locuteurs chaque fois que je vais au cimetière, je leur demande, si je vois des vieilles personnes, je leur demande, est-ce que vous parlez pas toi? Et ça arrive relativement souvent. Les autres sources, en jaune, vous avez les communes représentées. Il en manque quelques-unes. Donc, les autres sources pour alimenter le Dico Franc Pro, il y a certains entretiens que François d'Auvergne, que j'évoquais, m'a gentiment proposé d'utiliser. Alors, lui, ça concerne 23 informateurs. C'est souvent des sujets très ciblés, par exemple les derniers loups. Il y a aussi des émissions de radio, les langues se délient. Les deux personnes qui les animent m'ont autorisé aussi à utiliser leurs enregistrements. Et vous avez quelquefois des textes écrits variés qui sont enregistrés par moi-même ou par d'autres personnes. Voilà. Alors, à quoi ça sert, j'allais dire? Donc, ça permet quelquefois d'étudier la variation diatopique. La variation phonétique, par exemple, pour le terme manger, on a 13 réalisations à l'infinitif dans différents parlers bressants, vous les voyez ici. Pour chacune de ces réalisations, on a un exemple audio. On peut regarder la variation lexicale, le maïs, donc vous aurez l'outreki au nord, le blé de Turquie, et l'upane au sud. Donc on voit des choses assez stables. Ici, en morphologie, on voit quelquefois l'hésitation entre deux formes d'infinitif. Le partitif, qui est assez différent au nord et au sud, on n'a qu'une forme au nord. Donc quand je dis au nord, c'est au nord de la Bresse franco-provençalophone. Hein. Donc voilà ce qu'on peut étudier. La base de données. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est en ligne, contrairement au dictionnaire comme tel. Ça, c'est quelque chose que je garde à ma disposition. C'est un immense fichier Excel dans lequel on peut faire pas mal de recherches avec la fonction rechercher, selon ce qui intéresse, dans une colonne ou dans l'autre.
Alors, dans le fichier Excel, je pourrais, avec la fonction remplacer, si je m'aperçois qu'il y a des formes, qu'il y a un manque de cohérence, qu'il y a des formes, j'ai écrit d'une certaine façon à un moment, d'une autre façon à un autre, je pourrais le faire dans le fichier Excel, sauf que je ne peux pas le faire dans le dico Franpo comme tel, parce que voilà, il faut le faire entrée par entrée. Donc, si vous remarquez des incohérences, c'est normal. Idéalement, je voudrais les... faire qu'il y en ait de moins en moins, mais c'est un travail sans fin, comme vous imaginez. On peut aussi, grâce au fichier Excel, regarder, essayer de faire de l'analyse de discours plus dans une perspective sociolinguistique, regarder les énoncés linguistiques, les représentations linguistiques, en se concentrant sur certaines occurrences. Alors, si on regarde dans la colonne « embrassant » le mot « patois », on a 500 occurrences, on peut regarder tout autour ce qui se dit du patois. Alors, il y a plus d'occurrences en français du mot « patois » dans la colonne français parce que ça s'explique, parce que j'ai ajouté quelquefois des informations pour contextualiser, pour expliciter les micro-contextes, les micro-histoires. On peut regarder aussi dans la colonne ORB, le mot « écula » va permettre de recouper tout ce qu'on aurait, qui serait prononcé « écula »,« écula », »,« écula », »,« écula », etc. On peut regarder certains marqueurs identitaires. Vous avez en Bresse les gaudes qui sont un petit peu la polainte bressane. C'est une farine de maïs cuite. Là encore, ça permet de regarder les... de regrouper des micro-énoncés, des micro-contextes pour voir un petit peu le genre de discours qu'on peut tenir sur tel ou tel aspect considéré comme un marqueur identitaire. La variation diastratique, diaphasique, tout ce qui relève de l'appartenance sociale, tout ça, c'est beaucoup plus difficile à observer parce que, par définition, les entrevues sont des situations un petit peu artificielles et puis on va toujours être dans le registre informel, mais il y a quand même des petits éléments intéressants qu'on peut regarder sur le tutoiement, le vouvoiement, ou quelquefois quand on a l'irruption d'une tierce personne qui vient ajouter un élément un petit peu différent. Donc voilà, pour terminer, ce que je voulais vous présenter, qui était un entretien que j'appelle trigénérationnel, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est deux personnes que j'interviewais régulièrement depuis 5-6 ans, chacun de leur côté, qui viennent du même village, mais donc monsieur Rome 5 et madame Rome 1, qui a quitté son village il y a très longtemps, donc ils ne se connaissaient pas, mais elle a continué à parler dans son village un petit peu plus loin, et surtout avec sa sœur. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure peut-être son parler a évolué par rapport au monsieur, donc lui qui a 99 ans et qui est toujours resté en contact avec des locuteurs du même village. Donc le village de Romney est en Saône-et-Loire, donc dans la Bresse bourguignonne, louanaise, mais c'est bien du côté franco-provençal, et c'est des parlers très proches de ceux qu'on a au nord de la Bresse de là. Donc trois générations, si je m'inclus moi-même, 99, 76 et 57. Alors c'est là où tout a disparu, tous mes exemples audio ont disparu là sur Mac. Parce que je voulais vous faire écouter ça, et je vois même plus le petit, la petite icône là. Est-ce que je peux reprendre mon ordi ou... Parce que j'ai plein d'exemples audio, mais je peux pas les faire écouter là. Est-ce que je peux prendre mon ordi rapidement? Parce que c'est les exemples audio qui sont intéressants là. Est-ce que ça va être compliqué de brancher un PC? Non, normalement.
l'icône est là. On va voir. Il faut brancher le son. Oui. Normalement, ça passe par ici. C'est moi qui étais venu causer pas trois avec vous l'an dernier, vous vous rappelez? Oh, oui. Bon, donc là ça a l'air de fonctionner. Je vous explique simplement, c'est le dialogue, donc quand je suis venu interviewer le monsieur cette année, pardon. Donc c'est le dialogue quand je suis venu interviewer le monsieur cette année. Je ne pouvais pas lui téléphoner parce qu'il entend mal et les conversations au téléphone sont très difficiles. Mais comme c'est à la campagne, on peut débarquer chez les gens à l'improviste. Donc là, c'est le début de la conversation. Je parle français pour qu'il se rappelle de moi. J'essaye de passer au patois assez vite. La dame continue en patois. Lui va rester au français assez longtemps. Il va même avoir un énoncé où il dit « Oh, mais on ne le parlait plus beaucoup. » Mais je vous annonce qu'après, finalement, toute la conversation a bien eu lieu en patois. Alors, je vous fais écouter cette minute-là. C'est moi qui étais venu causer patois avec vous l'an dernier. Vous vous rappelez? Oh, oui, on va le faire. Oh, oui. Vous avez amené aux questions que quand je vous patois, le patois de Roumné a dit. Moi, je suis de Roumné, enfin, d'air de Roumné. Je m'arrive à la Garna. Les salés. Oh, moi, je n'ai pas connu les salés. Oui, et bien, j'ai la feuille salée, la feuille avant salée. Je n'ai pas connu les salés. Oui. Il y a celle qui me lie avec... Elle monte, bon. Oui. C'est moi qui étais venu causer patois. C'est moi qui étais venu causer patois avec vous l'an dernier. Vous vous rappelez? Ah oui. Voilà. Donc pour vous donner le micro, excusez-moi, j'arrive pas à gesticuler. Donc ça vous donne un petit peu le contexte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces centaines, je ne sais pas combien, mais je dois avoir un millier ou 1500 micros énoncés comme ça, si on ajoute les deux locuteurs. Donc, on peut remarquer qu'il y a une certaine convergence, que j'appellerais une convergence intergénérationnelle, au sens où se met en place assez vite entre les deux une connivence, ils s'interrompent les uns les autres. Ok, cola di merda, vuoi dire con? Comme bien moi je bois alors. Les députés, ils se tirent dans l'IAP. Voilà, on remarque les mêmes hésitations quelquefois dans les nasales, entre on et en. J'ai quelquefois du mal à les transcrire. Mais tu ne sais pas dire champignon. Il y a que mes champignons de votre beau-frère. Et puis, on remarque les traits, des traits communs entre les deux, donc des choses vraiment stables. Le mot « femme » est la « femme » et non pas la « fenna » comme dans le reste de l'ère franco-provençale. On voit ici une petite influence du français. «
la femme a la livre very bouffant, on peut lui faire fâchi. Et puis après, ben, le petit va mouer dans ma cuisson. Voilà. Ok, qu'on a dit merde. Vous voyez le con. Donc, j'ai pas dit son rayon. La femme a la livre de bouffant, on peut lui faire fâchi. Un charbon naturel. Le petit va mouer dans ma cuisson. Un charbon naturel. Il y a un charbon, mais un homme. J'essaie de chanter diapo. Qui veut dire la messe ou qui est le deuil, on est venu ici, mais un homme. J'essaie de changer de diapo et ça ne change plus. Voilà. Par contre, ce qu'on remarque c'est chez la locutrice plus jeune, donc 76 ans, c'est que c'est les consonnes interdentales qui sont très caractéristiques du parler bressan, les e, les se, se sont francisées. Ils sont devenus des se, des e, comme quand souvent les Français parlent anglais. Donc ce qu'on avait, le mot changer, saisi, chez le monsieur, est devenu saisi chez la dame. Donc, je vous fais entendre deux extraits où il y a des occurrences du verbe changer. Il faut un petit nachalot parce qu'il va bien. Il un petit nachalot, il me chiche tout. Il peut dans mon main, il vous met tout ça, il va te couler. Vous m'appelez les pompiers. Et puis, la même chose chez Zelle. Oh, il va pas loin parce qu'à mon pont, parce que les vloses, de l'un à l'autre, ils cessent greux, hein. Et puis on a même un énoncé où ils prononcent le même mot chacun à leur façon. Contre la samba. Oui, contre la samba, mais j'ai eu moulé. Donc la samba et la samba. Et même chose pour le chien, l'oussin. Il y a le matin, c'est moi qui ai dit bro, et qu'on le monte dessus. Puis là, on s'en dit, t'as vu pour qu'on te saute à bout, on t'a dit. Puis on est venu. L'oussin, la tio. Voilà. Il faut un petit nachalot parce qu'il va bien. Un petit nachalot. Une autre chose qui est intéressante chez la dame, c'est l'évolution assez inattendue du pronom « je », du pronom à la première personne du singulier. Donc en Bresse, en général, c'est « the » ou « de » ou « se » devant une occlusive sourde. Donc je vous fais entendre chez le monsieur. « Moi, je pense que c'est une usine qui occupe du monde, mais il faut vendre. »« Il faut vendre, ouais. » Ou ici, avec la... sourde. Vous connaissez peut-être mieux ma chelot que moi, non? Je connais pas tout le monde de journée. Ben, vous avez connu comment enfin, vous rendez-vous moi. Par contre, chez la dame, c'est devenu un ne, tout simplement. J'aurais dû m'émouter. Oui, oui, oui. Ah, oui. Ouais. Mais mon frère ne croque lui seul que de mourir de son timbre. Hein? Donc, ne croque. Moi, je croque que si. Vous connaissez peut-être mieux ma chelot que moi. Oui, oui. Ah, oui. Mais mon frère ne croque jamais lui seul que comment. Voilà. Bon, donc pour en arriver aux perspectives conclusives, je voulais vous montrer un petit peu avec ce genre de corpus ce qu'on peut faire. Ça donne quelques pistes pour analyser les parlers bressans contemporains, je dis bien contemporains, tels qu'ils sont parlés encore par très peu de personnes, mais qui sont encore parlés, aussi bien sur le plan lexical, phonétique, morphologique. On peut constater alors la stabilité de certains traits locaux, mais aussi des évolutions communes, en particulier les emprunts aux français, il y aurait beaucoup de choses à faire là-dessus, ou alors les usages de termes anciens pour décrire des réalités récentes, loup-bocon pour parler de la Covid, par exemple, il y avait pas mal de choses autour de ça. Donc ça permet d'avoir, de nourrir la réflexion au niveau ethno-linguistique, l'adaptation à la langue à la modernité, niveau sociolinguistique, le discours sur les pratiques familiales, la politique scolaire, il y a même quelques énoncés sur le militantisme linguistique. D'une façon générale, tout ce qui concerne l'identité, l'appartenance locale, régionale, suprarégionale, même le concept de franco-provençal apparaît à quelques reprises, c'est surtout à la radio, mais aussi quelquefois dans quelques entretiens comme ça. Voilà, donc là, je vous ai présenté ce qui existe ce qui est disponible sur Internet et puis à la fois le fichier qui est à ma disposition. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on n'est pas très nombreux à... j'ai pas toute une équipe autour de moi. Je suis un peu isolé. En plus, je suis à Montréal, je suis loin. Il y a beaucoup de choses à faire, mais on est très peu nombreux à avoir le temps, l'énergie à travailler avec ça. Mais je voulais en tout cas vous le présenter. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup de la belle présentation et vous avez vraiment un trésor, je dirais là, même si c'est un fichier Excel, je crois que tout le monde est très probablement intéressé à l'exploiter parce qu'il y a beaucoup, c'est pour cette raison-là que nous avons chuchoté, il y a beaucoup de constructions intéressantes, donc merci beaucoup. Ma question se réfère à la situation sociolinguistique ou communicative. La Dilali de Beruto n'a pas trop bien été définie, donc je voulais demander s'il existe une alternance codique extrême, parce que dans les exemples, l'auteur semble vraiment soit parler en franco-provençal, soit en français. Mais je me demandais s'il existait aussi des passages où on a vraiment un mix sauvage, et peut-être au niveau lexical, ou si c'est vraiment un usage alternant entre les deux. Oui, merci de votre question. Je dirais que c'est la question. Je dirais que le grand extrait que je vous ai présenté, où je commençais à parler en français, il n'est pas représentatif de l'ensemble où on a beaucoup d'alternance codique. Il n'est pas représentatif de l'ensemble des entretiens où, globalement, on reste en franco-provençal. Alors, le lexique, effectivement, il y a quelques fois où les gens vont prendre spontanément le mot français qu'ils ont à leur disposition. Mais je trouve qu'il y a peu d'alternance, ou quelquefois elle est de mon fait, puisque par définition je parle moins bien qu'eux. Donc mon parler est moins fluide, donc quelquefois c'est moi, si je suis vraiment coincé, je vais répéter la même chose en français, mais eux vont revenir au patois. Alors avec des locuteurs tardifs, donc nés dans les années 40, là c'est un peu plus mouvant comme terrain, parce que les informateurs ne sont pas forcément habitués à avoir ce genre de conversation. Alors, en général, ils se prêtent au jeu, ils sont d'accord pour... Il y a une espèce de conscience qui dit, bon, ben, on ne parle pas toi. Et il y a quelques situations où le vocabulaire devient un peu trop moderne et il dit, oh, ben, je ne sais pas comment on dirait ça en patois, je vais vous l'expliquer en français. Mais globalement, ça, on change pas trop de langue, non. Oui. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, j'ai plus un commentaire en fait qu'une question, et peut-être une petite question liée au commentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as montré justement avec la transcription du début de l'entretien. Et je me disais, côté sociolinguistique, en fait, un peu pour rebondir sur tes conclusions, qu'est-ce qu'on peut faire après avec ça, il y a aussi toute une partie de ce qu'on peut faire qui est liée au côté justement interactionnel des entretiens et pas côté référentiel. Donc, pas ce qu'ils disent, est-ce qu'il est important pour nous de parler la langue, est-ce qu'il est important pour nous ceci, cela, est-ce qu'on parle la langue, etc. Mais même, par exemple, quand on voit combien de tours de parole il faut pour que la personne se permette de se lancer, de parler, même si, voilà, la personne entend déjà, ah mais oui, lui il parle, elle parle, mais il y a ces hésitations qui nous disent quand même beaucoup de choses sur aussi les perceptions de la langue, et peut-être l'insécurité linguistique, etc. Et un peu de l'autre côté, quand on voit... Il y a beaucoup de chevauchements, par exemple. Donc, ça aussi, si on veut décrire les usages linguistiques, on voit que bon, s'il y a les chevauchements, on est clairement dans la pratique qui est beaucoup plus spontanée que quand on voit dans d'autres situations des locuteurs qui, pour qu'il faut du temps pour se dire là, je parle, de toute façon, là. Et donc, voilà, ça c'était plus le commentaire. Je pense qu'il y a autant de données vraiment très riches. Du côté interactionnel de ce qui se passe. Et du coup, la petite question qui est liée à ça, ça, d'après ce que j'ai compris, donc c'est juste toi, c'est pas public, non, c'est juste toi qui a voilà. la transcription ou les audios de comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on voit sur le dictionnaire?
Je ne sais pas si je peux le montrer en direct, mais non, tout le monde a accès à tous les micro-dialogues. Tout ce que j'ai montré, à part le dialogue d'une minute, là, quand je suis arrivé chez le monsieur, tout ce que vous voyez dans les trois langues, ça, vous pouvez y avoir accès sur Internet. Donc, si vous regardez manger, vous allez avoir, je disais qu'il y avait 13 réalisations de l'infinitif, vous allez avoir 13 micro-contextes. Donc, il faut choisir des mots qui sont relativement fréquents. Et là, déjà, vous allez avoir des tours de parole. Sauf que, oui, en général, les exemples que je choisis, et quelquefois que je nettoie, c'est-à-dire que j'enlève toutes les hésitations, les silences, je ne me mets pas, moi, dans la conversation parce que j'estime que c'est moins intéressant. Donc, je mets l'élocuteur... Les locuteurs natifs, mais il y a quelques fois où je me mets quand même dedans parce que le dialogue va rebondir. Ce qui est intéressant, c'est quand il y a une tierce personne. Ça n'arrive pas très souvent, mais là, on a énormément de choses parce que il y aurait des études de genre à faire aussi. On peut avoir un homme qui est en représentation, qui fait partie d'une association de patoisans, qui est dans une attitude d'autorité comme ça sur le maintien du patois, et quelquefois sa femme va être là en disant moi je parle pas très bien, alors qu'elle parle très bien, et il faut un certain temps pour qu'elle se lance aussi. Donc ça, on peut en avoir des petits, on peut voir des petits aspects de ça dans les exemples. Bon, après il faut avoir de la chance, tomber sur le bon mot. Mais il y aurait un travail à faire à partir du fichier Excel pour savoir les exemples que j'ai choisis où il y a plus d'interactions entre les gens. Oui, et puis sinon, il y aurait tout un travail à faire à partir des fichiers d'entretien comme tels. Bon, ça, qui sont encore autre chose, les fichiers bruts, qu'il faudra archiver un jour. Là, il y a beaucoup de choses sur les interactions. Mais on voit pas forcément tout ça dans le dictionnaire comme tel. Mais on a beaucoup de petits aperçus comme ça, de micro-situations communicationnelles. Il faut bien que je dise quelque chose, mais ça vaut pas peut-être trop la peine de l'enregistrer, celle-là. Alors, question langue en danger, au sujet des gens qui parlent patois. Alors, je me suis un peu préoccupé pour toi quand tu as dit que tu allais chercher des locuteurs au cimetière. Mais tu as dit que tu parlais encore à des gens vivants, alors ça va, c'est bien. Oui, ben je voulais être honnête et En général, il se trouve que dans le village de mon père, j'ai rencontré ces gens-là au cimetière, mais c'était les mêmes que ceux dont on m'avait dit « Oh, il faudrait que tu interviewes madame telle quelle, monsieur, machin ». Il se trouve que je les ai rencontrés là et que ça, le hasard a fait que c'était plus facile pour moi d'entrer en conversation avec eux dans ce moment particulier au cimetière plutôt que de leur téléphoner « Est-ce que vous voudriez que… » Donc c'est un beau hasard, je dirais. Nous remercions Manuel Mun, c'était vraiment très riche et très intéressant. Et voilà, j'appelle maintenant Jean-Baptiste Martin de l'Institut Pierre Gardette qui nous présentera les principales caractéristiques de la conjugaison des verbes en franco-provençal.
C'est bon, là, je peux y aller. Bon, bonjour à tous. Comme j'ai une intervention qui risque de durer plus des 20 minutes auxquelles je suis astreint, je ne ferai pas de digression, je m'en tiendrai uniquement à mon texte, et même je passerai sur certains points que vous retrouverez dans les actes, parce que j'ai besoin de prendre en compte un certain nombre de points pour vous parler de l'unité du franco-provençal. On a passé trop de temps à parler de la diversité, je pense que de temps en temps, pour défendre notre cause, il faut aussi parler de l'unité. Donc je vais vous parler des principales caractéristiques de la conjugaison du verbe en franco-provençal. Je commence par vous dire que j'ai soutenu en 1979 une thèse de doctorat intitulée « Le verbe franco-provençal », thèse que j'avais préparée sous la direction de Gaston Tueillon, avec qui je publiais alors l'Atlas linguistique et ethnographique du Jura et des Alpes du Nord. Lors des enquêtes et de la rédaction des cartes de cet atlas, j'avais été impressionné par la diversité, mais aussi par l'originalité de beaucoup de formes, tant par rapport au français que par rapport à mon occitan maternel. Cela explique les raisons de ce choix pour ma thèse. Je n'ai pas à l'époque publié cette étude car je souhaitais en reprendre certaines parties. La prise de nombreuses et aussi accaparantes responsabilités dans mon université, puis à la région Rhône-Alpes, ainsi que l'ouverture de nouveaux chantiers, notamment la publication de textes en langue franco-provençale et occitane de Rhône-Alpes, ensuite le français régional, tous ces chantiers m'ont éloigné du verbe franco-provençal. Avançant en âge, et même avançant fortement en âge, et ne souhaitant pas que cette étude reste confidentielle, j'ai décidé enfin de la publier en l'état, malgré le défaut important qu'elle présente, celui de ne pas prendre en compte les matériaux les plus récents. La documentation sur laquelle elle s'appuie date des années 1975-1980. Les dernières conclusions auxquelles j'étais arrivé ne sont pas remises en cause par les quelques tests que j'ai faits sur les derniers documents publiés. Pour terminer cet avant-propos, je veux quand même et je dois quand même vous indiquer que lors de conférences ou de communications que j'ai faites, notamment à Oxford, à Neuchâtel, à Nice et ici même, j'ai exploité certaines questions qui ont été abordées dans cette thèse, dont je vais reprendre quelques petits éléments dans la démonstration que je vais vous faire. La principale caractéristique de la conjugaison des verbes en franco-provençal est une grande fragmentation, une grande diversité. Cette fragmentation est la conséquence des effets conjugués, des évolutions phonétiques et des tendances morphologiques propres au franco-provençal. La phonétique, elle-même très fragmentée, a rendu les formes verbales régulièrement issues du latin très diversifiées dans l'espace. Les réflexions ultérieures, qui sont extrêmement nombreuses, se sont le plus souvent opérées sans grande unité. Les influences extérieures sont pratiquement négligeables. L'influence de l'occitan a été assez faible, pour ne pas dire très faible, et l'influence de la langue de Hill n'est réellement sensible que dans l'extrémité nord, notamment dans l'extrémité nord du Lyonnais, c'est-à-dire à l'extrémité nord-ouest du franco-provençal, du domaine franco-provençal. Le syncrétisme a joué un rôle important dans la formation de la conjugaison actuelle. Il n'y a pas de tiroir de la conjugaison, pour reprendre la terminologie utilisée par certains auteurs, ni même de personne où l'influence analogique ne se soit exercée sur une ou plusieurs parties du domaine franco-provençal, qui, comme vous le savez, s'étend des monts du Forêt à l'ouest jusqu'en Suisse romande et à la vallée d'Aoste à l'est. J'ai aussi pu observer des cas très nombreux d'analogie d'un groupe verbal sur un autre, d'un tiroir sur un autre, d'une personne sur une autre. Les conséquences des nombreuses réflexions analogiques sont de deux ordres, de deux types. D'abord, en créant des rapports nouveaux entre certaines parties de la conjugaison et des structures nouvelles, elles ont fortement contribué à éloigner la conjugaison franco-provençale de la conjugaison latine dont elle est issue.
Ensuite, elles ont été une cause importante de fragmentation, car, en l'absence de centre directeur capable d'imposer ses formes, les reconstitutions se sont faites sans grande unité. Comme on le sait, Lyon, qui a été son principal centre directeur, a abandonné sa propre langue, c'est-à-dire le franco-provençal, pour adopter la langue du roi de France, c'est-à-dire le français, dès la fin du Moyen Âge. Dans la diversité des formes actuelles, il est cependant possible de repérer des caractéristiques que je qualifierais de fortes, c'est-à-dire des éléments importants qui sont communs à l'ensemble, ou au moins à la majeure partie du domaine franco-provençal, qui sont différents des éléments correspondants de la langue de l'île ou de l'occitan. Les caractéristiques du verbe franco-provençal sont de deux types. Les unes sont la caractéristique des évolutions phonétiques propres au franco-provençal, qui ont fait évoluer de façon particulière les morphèmes latins. Les autres relèvent de la morphologie proprement dite. Avant d'aborder ces caractéristiques, voici comment j'ai classé les verbes, afin que vous compreniez bien à quel type de verbe je ferai allusion lorsque je parlerai du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3. Le classement adopté, que j'ai adopté est celui qui est adopté dans beaucoup de travaux. Donc, alors, comme je n'ai pas le temps, je vous laisse le soin de lire comment j'ai classé les verbes. J'aborde d'abord les caractéristiques de type phonétique. De nombreuses caractéristiques de la morphologie verbale du franco-provençal sont dues à la phonétique particulière de cette langue. Faute de temps, je vous donnerai seulement trois exemples. Premier exemple, la caractéristique la plus importante est la distinction opérée et maintenue depuis l'origine dans les désinences des verbes du premier groupe, ce qui entraîne la division de ce groupe en deux sous-groupes que j'ai appelés groupe 1A et groupe 1B. Cette division se trouve à l'infinitif, comme cela a déjà été indiqué, ou aussi au participe passé et à la troisième personne de l'indicatif présent et de l'impératif, et à la deuxième personne de l'impératif. Elle est le résultat du double traitement qu'a connu le A, qu'il soit tonique ou atone, en franco-provençal, donc maintien du A ou vélarisation en haut lorsqu'il est accentué, après consonne de type non palatale pour le groupe 1A, évolution en I ou en E ou en E, après consonne de type palatale pour le groupe 1B. Cette distinction constitue une caractéristique importante du franco-provençal. L'occitan, comme vous le savez, ne l'a jamais connu. La langue de l'île qu'il a connue a procédé à une unification importante des désinences de ces deux sous-groupes. Celle-ci a été totale dans l'ouest et le centre du domaine de l'île et en français, partielle dans l'est, puisque dans cette partie, la distinction subsiste encore à l'infinitif et au participe passé. Cette distinction est restée bien vivante en franco-provençal à l'infinitif, comme nous l'avons vu, portare a donné porta, qui a pu évoluer en porto dans une partie importante du domaine franco-provençal, tandis que manducare a donné mangi ou mandri ou mandré, ou tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire voyelle palatale après la consonne palatale. Elle est également bien vivante, cette caractéristique, au participe passé, à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent et de l'impératif. On la retrouve aussi à la deuxième personne du singulier de l'impératif, dont la désinence latine était a aton. La carte numéro 3, qui représente le regroupement des continuateurs des désinences latines are, atu, atis, a, démontre que l'opposition entre le groupe 1a et le groupe 1B reste encore bien vivant dans la conjugaison franco-provençale. Selon que les verbes appartiennent au groupe 1A ou au groupe 1B, les quatre désinences diffèrent dans les aires marron, les aires où la couleur est la plus foncée.
Dans les airs orange, trois désinences diffèrent. Il s'agit de Harré, de Hatou et de Hatis, sauf dans la petite aire située dans la région grenobloise, où sont concernées les désinences Harré, Hatis et A. Dans les airs roses, il n'y a différence que pour les désinences Harré et Hatou. Autrement dit, il n'y a plus de distinction dans les modes personnels. La grande aire rose du Nord est due à l'influence de la langue de l'île voisine. Dans l'aire genevoise, c'est sans doute l'influence du français véhiculé par Genève qui s'est exercée. On remarquera qu'un point valdetin de l'ALF a connu une évolution comparable, mais là, il peut s'agir d'une tendance autochtone ou d'une influence piémontaise. Autre distinction. Une autre caractéristique importante d'origine phonétique est l'emploi dans l'ensemble du domaine de désinences constituées par des voyelles palatales comme atone, comme e, 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 aux personnes 2 et 3 de l'indicatif présent ou de l'indicatif imparfait du groupe 1, carte 4. Ces désinences sont le résultat de l'effet concordant qu'ont exercé sur le A atone précédent le S final ou le T final, puisque les désinences latines as et at ont donné, dans la quasi-totalité des cas, donc le plus souvent, le même résultat. Par exemple, porte peut signifier aussi bien tu portes que il ou elle porte. En occitan, les désinences de ces deux personnes sont toujours différentes. En langue de île, il y a identité sur l'ensemble, car le A, comme le S et le T, se sont amis, donc il ne peut pas y avoir de différence. Troisième caractéristique que je veux vous indiquer, si je serai court. La dernière caractéristique de type phonétique dont je vais vous parler, c'est l'identité des désinences des participes passés féminins des groupes 1B et 2, c'est-à-dire qu'on a ya au singulier et yé ou yé ou ye au pluriel. Par exemple, vous avez menvia pour manger, comme vous avez finia pour fini. Vous avez menvier pour manger au pluriel, finier pour fini au pluriel. Ce phénomène qui concerne pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement l'ensemble du domaine, est le résultat des évolutions convergentes des désinences latines atta et attas, précédées de consonnes de type palatal, et les désinences latines ita et itas. Donc voilà ce que j'ai le temps de traiter pour les caractéristiques phonétiques. Je passe maintenant aux caractéristiques que je qualifierais de morphologie. L'étude des formes verbales relevées dans l'ensemble du domaine a permis de mettre en évidence de nombreuses caractéristiques qui relèvent exclusivement ou principalement de la morphologie. Je vais vous en présenter quelques-unes, et donc, comme mon texte est très long, je vais simplement signaler quelques, et vous les retrouverez l'explication après dans les actes. Premier point, le maintien de la désinence « au » ou « à la première personne » de l'indicatif présent, et son extension à de nombreux autres tiroirs de la conjugaison. Cette caractéristique se trouve dans l'ensemble du domaine 4-5. On peut dire qu'il s'agit là d'une caractéristique franco-provençale, même si l'emploi de ce « o » dépasse légèrement les limites du franco-provençal, notamment au sud. En effet, on ne retrouve pas cette désinence en français et en occitan. Il faut cependant signaler que dans certaines aires du franco-provençal, ce « o » atone a connu un affaiblissement qui a pu le conduire jusqu'à l'aluissement. C'est notamment le cas dans les deux aires blanches situées dans l'ouest et le centre du domaine. Donc c'est un phénomène extrêmement récent. Mais, comme le montrent les documents anciens, il s'agit d'un phénomène, comme je viens de le dire, tout à fait récent. Pourquoi ce haut s'est-il maintenu en franco-provençal? Ce haut s'est maintenu en franco-provençal parce que il faut le mettre en lien avec le maintien du ou atone des noms et adjectifs
en franco-provençal. Vous savez qu'une des caractéristiques du franco-provençal, c'est d'avoir maintenu le ou latin, le ouaton latin dans les mots proparoxytons. Les mots proparoxytons sont les mots accentués non pas sur la dernière, non pas sur l'avant-dernière, mais sur l'avant-avant-dernière. Par exemple, le mot latin cubito a donné code en franco-provençal ou code. Et trémolo, je tremble, le haut s'est maintenu parce que on était dans un proparoxytone. Mais ce haut qui est phonétique à l'indicatif présent de quelques verbes est devenu la marque de la première personne, non seulement dans tous les verbes à l'indicatif présent, mais on le retrouve aussi à l'imparfait, on le retrouve aussi au subjonctif présent, au subjonctif imparfait. Donc, on a bien une caractéristique de type que je qualifie de morphologie. Autre caractéristique, le grand nombre de formes fortes à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent. Une des caractéristiques fortes de la conjugaison franco-provençale est le grand nombre de formes fortes à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent. Pour ceux qui auraient quelques doutes, les formes fortes sont par exemple les formes du français « vous dites et vous faites », qui ne correspondent pas à la désinence et les autres verbes. Eh bien, en franco-provençal, vous allez voir que cette particularité, qu'on retrouve également à l'impératif, eh bien, est très vivante, puisque l'effort en français, en ancien français, on avait beaucoup de formes fortes, et puis on les a pratiquement toutes perdues, il y a deux rescapés, « vous faites et vous dites ». En franco-provençal, il y a beaucoup, beaucoup de formes, vous faites et vous dites, pour beaucoup de verbes. Et je voudrais aussi, avant d'aborder plus en avant cette question, vous dire que ce n'est pas tout à fait une caractéristique du franco-provençal, parce qu'on la retrouve aussi en Franche-Comté, comme le montre très bien le cinquième volume de l'Atlas linguistique de la Franche-Comté de Colette Bonden, parce que là-bas, les formes fortes sont aussi nombreuses qu'en franco-provençal. Cependant, le franco-provençal se distingue de la Franche-Comté et du français parce que les formes fortes en franco-provençal ne sont pas seulement les formes de. Dans une grande partie du franco-provençal, le itis latin a donné de. Et vous allez voir, je vais vous en parler un peu plus tard. Les formes fortes en te et de se retrouvent surtout dans le centre et l'est du franco-provençal. L'ouest du Lyonnais n'utilise le plus souvent que des formes faibles, y compris pour le verbe faire et dire. Mais, si je m'en tenais là, vous pourriez dire, c'est pas l'ensemble du franco-provençal, puisque presque un tiers ne les emploie pas. Mais il faut savoir qu'une partie du Lyonnais, et la tasse du Lyonnais que vous avez vue tout à l'heure, eh bien, vous donne des formes fortes, et notamment la partie du Lyonnais qui se situe dans la région de Saint-Étienne et qui se situe dans le Bouillon. Et donc là, pour gagner du temps, je ne vais pas parler de cette page. Vous trouverez tout ça dans les actes et je vous résume ce que j'aurais dit si j'avais eu le temps. Les formes fortes existent dans la plus grande partie du domaine franco-provençal. Elles sont extrêmement vivantes dans le centre et dans l'est, donc là où nous sommes. Dans ces aires, les verbes qui présentent des formes fortes sont très nombreux, souvent la majorité. Dans certains patois de Suisse, je pense à Bagne, mais là je n'ai pas la dernière version de l'enquête à Bagne, j'avais que l'ancienne publication. À Bagne, il n'y a aucune forme faible. Toutes les formes sont fortes. Dans une partie importante du domaine franco-provençal, le sud-ouest, la Savoie, la vallée d'Ost, la Suisse romande, le morphème de des formes fortes a même été ajouté aux formes toniques faibles A, I, E pour donner les formes nouvelles AD, ID, ED, exemple vos amades, vous aimez, vos mains vides, vous mangez, vos venides, vous venez, vos volettes, vous voulez. L'existence de nombreuses désinences composées à la fois de la forme faible et du morphème de constitue une preuve de l'importance
que devaient avoir les formes fortes, puisque le morphème 2 a finalement été senti, a finalement été perçu comme l'élément caractéristique de cette personne. Les formes fortes constituent bien, me semble-t-il, une caractéristique importante du franco-provençal. Autre exemple. Là, il n'y a pas de carte encore. Mais si, tu peux la passer. L'emploi au singulier de l'indicatif présent des groupes 2 et 3 d'un radical plein à la première personne et d'un radical réduit aux personnes 2 et 3. Comme le montre la carte 6, le franco-provençal dans l'air rose, la première personne a une forme à radical plein. Par exemple, pour dire je vends, on dit je vendo. Tandis que les personnes 2 et 3 ont un radical réduit et on va dire te vins pour tu vends et il vint pour il vend. La structure première personne n'égale pas, donc différente de la deuxième personne, laquelle deuxième personne est la même que la troisième personne, que l'on retrouve dans l'ensemble du domaine, est différente de la structure française, qui est dans l'air blanche, en français, la première personne, la deuxième personne et la troisième personne, c'est vent. Quand vous prononcez, vous dites vent pour je vends, du vent, il vend. Et elle est différente de la structure occitane, de l'air verte. En occitan, la première personne a un radical plein comme la deuxième, mais la troisième personne a un radical réduit. En occitan, on dit vendi, je vends, vendes, tu vends, ven, il vend. Et donc, me semble-t-il, c'est une caractéristique importante du franco-provençal. Autre caractéristique, la présence d'un suffixe analogique à l'indicatif imparfait des groupes 2 et 3. En franco-provençal, les formes de l'indicatif imparfait comportaient à l'origine deux types de formes. Je dis bien à l'origine. Les formes du premier groupe comportaient un suffixe « av » ou « iv », suivant qu'il était derrière consonne de type palatal ou non palatal, provenant des formes latines en « abam », exemple « portav », « je portais », « mensib », « je mangeais ». Les formes des groupes 2 et 3 avait une terminaison qui provenait des formes latines en « eam » ou en « iam ». Exemple, « veni », « je venais »,« vendi », »,« je vendais ». La plus grande partie du domaine franco-provençal a conservé le suffixe « en v » dans les verbes du premier groupe. Malgré ce conservatisme, toutes les formes franco-provençales du premier groupe ne remontent pas directement au latin, car, conformément à la phonétique franco-provençale qui a fait évoluer différemment le A selon la nature de la consonne précédente, on devrait avoir deux séries de formes pour les verbes du premier groupe. C'est loin d'être toujours le cas aujourd'hui, puisque l'analogie d'un sous-groupe sur l'autre a assez souvent joué. Par exemple, dans certains parlers, on dit portable et manzave. Manzave est tout à fait irrégulier phonétiquement. Dans d'autres, on dit portif, qui est tout à fait irrégulier, comme on dit manville. Comme je l'ai indiqué dans une communication faite à Nice en 2012 et intitulée « Le cycle désorganisation, réorganisation en morphologie verbale », le cas de l'indicatif imparfait en franco-provençal, vous le trouverez dans les actes, ce qui apparaît le plus intéressant pour caractériser l'indicatif imparfait en franco-provençal, c'est surtout la présence du suffixe des verbes du premier groupe dans de très nombreuses formes des verbes des deuxième et troisième groupes, comme le montre bien la carte 7, qui concerne les verbes du deuxième groupe. Bon. Et la carte 8, verbes du troisième groupe. Dans certaines parties, l'analogie a joué... en partie, comme je suis limité par le temps, je saute une bonne partie, à jouer que partiellement. Mais pratiquement aujourd'hui, on a le suffixe analogique à peu près partout. Autre caractéristique, pour passer la carte, l'emploi d'une désinence composée d'une voyelle nasale à la première personne de l'indicatif imparfait des groupes 2 et 3. Là, je n'ai pas le temps de le traiter, vous, puisqu'on me dit que je suis en retard.
Il y a aussi l'identité des formes de la deuxième personne du singulier et du pluriel, de l'indicatif imparfait, là aussi vous le trouverez. Il y a aussi la disparition de l'opposition temporelle au subjonctif avec la généralisation des formes à suffixe, qui est une caractéristique du franco-provençal. Le français a perdu les formes de subjonctif imparfait. En gros, le franco-provençal, déjà généralisé, a perdu celle du présent. Et puis, montre la carte numéro 9, il y a la présence du suffixe incoatif « s » et non pas « is », comme en français et en occitan. Je n'ai donc pas le temps d'en parler. Comme je n'ai pas le temps de parler, mais vous trouverez ça dans ma communication écrite, les formes tronquées du participe passé. Je n'ai pas le temps de parler de ça, mais les formes tronquées du participe passé sont passées pour la plupart en français. On dira « il pleut, je suis trempe ». Mais on ne pourra pas dire « l'averse m'a trempe ». Trempe et trempé, on dira « l'averse m'a trempé », parce que ça, c'est le calque du franco-provençal. L'averse m'a trempé et je suis trempe. J'ai fait un bon... Ce repas m'a gonflé, j'ai trop mangé, mais je suis bon. C'est ce qu'on appelle les participes tronqués, la double série de participes. Et ça, c'est une caractéristique du franco-provençal. Elle est tellement caractéristique qu'elle est passée en français régional. Donc j'en arrive à la conclusion, et j'en ai pas pour très longtemps maintenant. Un nombre important de caractéristiques phonétiques et morphologiques singularise la conjugaison franco-provençale. On retrouve notamment dans le groupe franco-provençal les caractéristiques phonétiques fondamentales qui opposent ce groupe à la langue de l'île et à l'occitan. Le maintien des voyelles, des désinences constituées par des voyelles à tonne finale, distingue le verbe franco-provençal du verbe français qui ne connaît que les formes occitaniques. La division du groupe 1 en deux sous-groupes distingue nettement le verbe franco-provençal du verbe occitan. On y trouve aussi dans cette conjugaison un certain nombre de traits morphologiques qui prouvent combien existaient des tendances morphologiques particulières. Et passe la carte 10. Et j'ai regroupé sur cette carte un certain nombre de caractéristiques importantes. Le maintien de la distinction entre le groupe 1A et 1B, le tiroir autre que l'infinitif et le participe passé. L'emploi de O ou U comme désinence de la première personne de l'indicatif présent. L'emploi de la structure première personne différente de la deuxième personne, elle-même semblable à la troisième personne, un indicatif présent des groupes 2 et 3. L'emploi des suffixes analogiques en V et en V à l'indicatif imparfait des groupes 2 et 3. La forme S du l'incoatif, du suffixe incoatif. Et donc ça vous donne cette carte. Bien qu'elle ne donne pas une représentation de l'ensemble des caractéristiques, cette carte montre, me semble-t-il, que la conjugaison franco-provençale comporte des traits communs qui permettent de caractériser cette famille linguistique dans l'ensemble du gallo-roman. La plus grande partie du domaine connaît en effet les cinq caractéristiques dont je vous ai parlé et si on n'en prenait que quatre ou trois, on aurait une carte encore plus développée. L'extraordinaire fragmentation que j'ai mentionnée au début de cette communication doit également être ajoutée au nombre des caractéristiques du verbe franco-provençal. Celui-ci n'a connu ni la stabilité du verbe occitan, qui, en s'éloignant beaucoup moins du latin, a conservé une plus grande unité. Il n'a pas connu non plus l'uniformisation impulsée sur l'ensemble du domaine de l'île par son puissant centre directeur Paris. En résumé, on peut dire que les parlers franco-provençaux ont tellement fait évoluer les formes verbales du latin que le système originel s'est trouvé bouleversé, ce qui a entraîné de nombreuses restructurations. Comme depuis la fin du Moyen-Âge, il n'existait plus dans cette ère de centre directeur capable d'imposer ses évolutions et ses créations, les réflexions se sont en général faites librement dans les différents parlers. Il s'en est suivi une certaine, pour ne pas dire une grande fragmentation, sur le plan géographique. Les parlers actuels présentent néanmoins un nombre important, je dis bien un nombre important, de traits spécifiques communs qui rendent la conjugaison franco-provençale nettement différente de la conjugaison française et de la conjugaison occitane. Et je vous remercie de votre bienveillance. Merci
beaucoup. On a eu un exemple vraiment magistral du passage de l'étude de la variation à la gestion de la complexité avec ces synthèses à l'échelle de tout le domaine franco-provençal. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, cette fois c'est sérieux. Ça se passe pas souvent, mais cette fois c'est sérieux. Alors j'ai adoré, parce que moi j'adore les verbes, et j'ai tout bien suivi. Je trouve que ça serait, une petite remarque seulement, ça serait très important déjà pour nous, quand on analyse la conjugaison verbale franco-provençale, d'arriver à trouver la même structure, la même série pour indiquer les groupes 1, 2, 3, etc., etc. Parce que souvent, quand on regarde les dictionnaires qu'on publie, les articles sur l'argument, on voit qu'on les classe de manière différente. Alors, ça serait déjà quelque chose pour donner cette idée de langue franco-provençale qui a une structure avec une conjugaison verbale assez marquée, voilà, de trouver le même système de la présenter. Alors, moi j'ai choisi ce système parce que c'était le système qui prévalait à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce système qui est toujours retenu. Je trouve qu'il a l'avantage de la simplicité et de s'adapter à la situation franco-provençale. Mais si je faisais ce travail aujourd'hui, je ne dis pas que j'aurais adopté ce système. Parce qu'à l'époque, c'était en gros le système qui prévalait. La majorité utilisait ce système. De toute façon, je pense qu'on est condamné. Il n'y a pas d'autres catégories. On peut les distinguer différemment, mais on devra quand même distinguer tous ces groupes en franco-provençal si on veut être fidèle, me semble-t-il. Qu'est-ce que tu en penses, puisque toi, tu as travaillé sur le verbe. C'était bien comme tu avais fait déjà. Après, si tu me dis que c'était des recherches, le système de l'époque, c'est bien. Moi, en étudiant un peu la question, j'ai pris une image un peu différente. Mais voilà, je pensais que ça serait déjà bien de trouver une ligne commune parce que souvent, quand je fréquentais les enseignants de patois, je voyais que pour eux, c'était difficile de caser un verbe dans le bon groupe parce qu'il se basait uniquement sur la désinence de l'infinitif. Et ça apportait des erreurs qui ont été publiées aussi dans des dictionnaires, par exemple ici en Valais d'Ost, où on fait la petite partie de la grammaire où on va mettre des verbes dans le mauvais groupe parce que tout simplement, on s'est basé uniquement sur des similarités de désinence du verbe et ça apporte voilà, des erreurs, disons, dans la présentation de la grammaire. Dans le travail que j'ai préparé à l'époque et que je vais publier s'il me reste encore quelques mois ou quelques années de vie, j'ai consacré une partie en étudiant l'infinitif à prendre le cas des verbes qui, dans une partie du franco-provençal, en un infinitif, par exemple, du premier groupe, et d'autres du troisième groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, parce que, comme tu l'as si bien dit, la désinence de l'infinitif, si on la prend au pied de la lettre, ça ne suffit pas. Je suis bien de ton avis, totalement de ton avis. Je ne sais pas, moi, je crois que j'avais pris une dizaine d'exemples que j'avais sous la main à l'échelle du franco-provençal, mais si on prend l'échelle d'un patois et de chacun des patois sur l'ensemble du franco-provençal, on doit avoir des centaines d'exemples de verbes dont l'infinitif n'est pas le même dans un patois que dans l'autre. Je suis bien de cet avis, totalement. Mais bon, je ne sais pas trop. De toute façon, je pense que je ne referai pas ce travail à nouveau. Et donc, si je le publie, je le publierai dans l'état que je l'avais publié en disant bien que c'est un travail qui date,
mais qui, dans le classement, peut totalement... D'ailleurs, je vous l'ai dit, voilà comment j'ai classé les verbes. Je ne vous ai pas dit, voilà comment il faut classer les verbes. Hein? Parce que, de toute façon, sur cette question-là, il y a une telle diversité aussi à l'échelle du franco-provençal, notamment à l'infinitif, que l'infinitif ne peut pas être le seul marqueur. Ce n'est pas possible. Mais par exemple, tu vois, par exemple, à l'imparfait, il est très clair que si le franco-provençal était encore parlé dans 100 ans, il n'y aurait plus qu'un seul type d'imparfait à l'échelle du franco-provençal. Parce qu'on voit très bien les gains des formes en vœux sur les formes des deuxième et troisième groupes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de noter les tendances profondes, plus que les classements. Les classements sont ce que les chercheurs en font. Hein. Ce qu'il faut, c'est que je suis bien de ton avis, il ne faut pas que le classement vous en perde. Parce que, de toute façon, si ça a changé au cours de l'histoire, c'est bien qu'il y a des problèmes à classer. Vous savez, il faut toujours être humble. Il faut se dire que la vérité d'aujourd'hui n'était pas la vérité d'hier toujours et ne sera sans doute pas celle de demain. Parce, je ne dis pas la vérité sur le matériau. Je parle de la vérité des classements ou des choses comme ça. On voit les choses différemment au cours de l'histoire. Il faut toujours rester modeste. Hein. Il ne faut pas croire qu'on a inventé la Lune. Elle est née avant nous. Hein. Elle restera encore dans le ciel, je l'espère, après nous. Il n'y a pas d'autres questions. On a les étudiants qui surveillent de là-haut aussi. Bien. Alors, on avance. Alors, ce sera la dernière communication de cette matinée. Tabea Izan et Elisabeth Stark, des universités de Genève et Zurich. Présence-absence du marquage en nombre dans les syntagmes nominaux des langues romanes. Quel rôle pour le 2 en franco-provençal ?
explicite obligatoire de la définitude, une distinction grammaticalisée de la dénombrabilité, ça veut dire on dit toujours automatiquement si un syntagme nominal dénote un référent massif ou dénombrable, n'a pas de classificateur et possède un marquage obligatoire du nombre, par exemple les langues romanes modernes. Bon, on peut jeter un coup d'œil sur le système de classification, entre guillemets, du latin. Hein. Dans certaines racines, surtout qui dénotent quelque chose de concret, on a une opposition de genre qui fonctionne. Donc, avec Casius, on peut l'illustrer. Donc, on a le genre masculin pour dénommer un type de fromage ou aussi un morceau de fromage, tandis que le neutre, Casium, relèverait du massif. Hein. On a le même jeu avec l'olive, donc olea, c'est donc une olive, et oleum, c'est de l'huile de l'olive, donc une substance massive. Et on connaît ça aussi avec les baies et les raisins, donc ça marche. Bien sûr, ce n'est pas systématique, mais on peut retrouver ce marquage du massif et du nombrable à l'aide du genre en latin. Dans les langues romanes, on sait que le nombre sert surtout pour classifier, pour faire cette distinction, et il est marqué, comme nous avons vu, dans le type 3, dans les syntagmes nominaux. En espagnol, en portugais aussi, dans beaucoup de langues ibéro-romanes, ça se fait à l'aide d'une désinence ouverte, donc réalisée, el libro, los libros, là on a le s, qui est régulièrement marqué, pas de problème. En français, on a une stratégie différente. On marque le nombre sur le déterminant, puisque la grande majorité des noms est invariable. Le livre, les livres, ici c'est un changement vocalique, e et, qui nous dit singulier ou pluriel. Eh bien, et on a le franco-provençal, ou certaines, et même beaucoup de variétés du franco-provençal, qui ne marquent pas le nombre du tout. Dans le domaine de l'indéfini, ça veut dire donc le massif singulier, et aussi les pluriels indéfinis, on peut avoir, et je ne vais pas le lire parce qu'il y a des locuteurs natifs et des experts ici, je ne sais pas prononcer le franco-provençal, mais vous connaissez peut-être que surtout à Saint-Nicolas, donc le nom pour jour est invariable. Et on a ce déterminant indéfini des ou de ou des, il a plusieurs réalisations, donc la voyelle, qui ne marque pas le nombre non plus. Alors on peut se poser la question de savoir, est-ce que le franco-provençal relève du type 3? Est-ce une langue romane? La réponse est bien évidemment oui. Mais ça pose quand même un problème pour cette approche typologique. Du point de vue de la détermination nominale en général, Anne Carlier et sa collègue Lamire Roy, dans beaucoup de publications, a dressé le tableau cette table où elle compare les trois grandes langues romanes standardisées, espagnol, italien, français, pour cette triple opposition sémantique. On a toujours le singulier nombrable qui est marqué dans le domaine de l'indéfinitude par unus, donc les résultats de unus dans les différentes langues romanes. On a le pluriel indéfini qui peut soit, comme en espagnol, être marqué par le s, sans déterminant propre, ou comme en français, par ce qu'on appelle l'article partitif, hein, des garçons, des femmes, etc. Et on a à droite le massif ou l'abstrait qui, en espagnol, est marqué par l'absence de déterminant. Dans les variétés italiennes et dans l'italien standard, il y a variation, ce soit une détermination zéro, soit l'article partitif. Et en français, nous le savons tous, on a l'article partitif qui est obligatoire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons, quelles sont les deux questions auxquelles nous nous intéressons? La première, comment des syntagmes nominaux sans marquage de nombre sont-ils possibles dans certaines variétés du franco-provençal? Donc, se conforment-ils au type roman, comme on a vu? Et si oui, comment? Et la deuxième question, une question contrastive, pourquoi le français n'a-t-il pas d'équivalent à des, ça veut dire un déterminant non fléchi, hein, sans marquage du genre ou de nombre. Il a été formulé très tôt cette hypothèse de la compensation morphologique. C'est une hypothèse fonctionnelle, assez pratique, je dirais. Donc, je cite Jens Rauten, un collègue néerlandais. Le trait pertinent qui distingue l'espagnol du français est la présence du nombre dans la prononciation du nom. Maintenant, on pourrait se dire aussi d'un point de vue diachronique, oui, c'est bien pratique. Alors, quand on perd le marquage du pluriel sur le nom en français, c'est au XIIIe siècle, plus ou moins, on a grammaticalisation de l'article partitif qui est comme une stratégie de compensation. Voilà, parce que là, vous voyez, historiquement, l'article partitif est combiné de la préposition latine « de » plus « il est », donc les résultats de « il est », et cet élément de « il est » marque le genre et le nombre. Malheureusement,
cette idée assez pratique ne marche pas. C'est une corrélation quand on entre dans les détails et surtout dans une approche comparative, on voit que cette hypothèse ne marche pas. D'une part parce qu'on a en italien et aussi dans beaucoup de variétés, on a coprésence de l'article partitif et marquage du pluriel. Donc ici pour des livres en italien, on a dei libri, donc deux fois marqué le pluriel et le genre. Et on a ça aussi dans beaucoup de variétés du franco-provençal pour le féminin. Et on va y revenir. Là, vous avez vraiment un double marquage à trois torrents. On a donc le féminin pluriel marqué sur l'article partitif et aussi sur le nom. On peut dire que l'hypothèse de la compensation marche partiellement pour un certain type de marquage du pluriel. C'est le marquage en S, donc le type espagnol, si vous voulez. Là, en 6, vous avez la comparaison « comprare leche » ou « comprare manzanas ». Donc, on peut dire si c'est du singulier ou du pluriel, donc comprendre si c'est un singulier massif ou un pluriel indéfini. Et en français, cette fonction est assumée par l'article partitif. J'achèterai du lin, donc singulier massif. J'achèterai des pommes, pluriel indéfini. Donc, on pourrait se dire qu'il y a une complémentarité au niveau des langues romanes. Soit on a « s », soit on a « de », mais jamais les deux dans un système roman. Maintenant, donc, on a dit qu'on a des problèmes avec cette compensation. On a toujours un problème avec cette compensation, justement pour les données du franco-provençal qu'on présente maintenant aussi à des congrès internationaux, parce que c'est vraiment exotique, entre guillemets. On a ici les phrases, surtout peut-être l'exemple 8 est intéressant. On ne peut pas dire morphologiquement, on peut dans le contexte peut-être oui, mais on ne peut pas dire morphologiquement s'il s'agit du ou des céleris et de là ou des carottes. Morphologiquement, ce n'est pas marqué. Et c'est très intéressant. Et donc, ça pose un problème. Donc, on se pose vraiment la question de savoir comment est-ce possible. Et donc, on a effectué une étude morphologique sur la déclinaison nominale pour justement en dériver le système et les points communs plutôt que les exceptions pour comprendre ce qui se passe dans cette langue. Et je passe la parole à Tabea. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette étude morphologique qu'on a réalisée. L'idée, comme Elisabeth l'a dit, c'était de regarder le marquage du nom et les différentes stratégies qu'on a dans les variétés de franco-provençal quand il s'agit de marquer le nombre, si c'est sur le nom ou sur le déterminant. Et là, je vais en particulier parler du marquage du nom, de ce que je vais vous présenter. Et on a pris des données qu'on a recueillis dans des études de terrain. Donc, comme on vous l'a dit, on est venu ici il y a 6 ans en arrière. Donc, on a recueilli des données à Saint-Nicolas et aussi à Phénice à côté. Et donc, on a des données de plusieurs locuteurs qu'on a complétées avec des interviews qu'on a menées grâce au nom des locuteurs que Christiane Dunoyer nous a gentiment donné et qu'on remercie ici. Et on a donc pu faire des questionnaires supplémentaires pour compléter les informations qu'on avait en regardant aussi, bien sûr, la littérature sur ces variétés et d'autres. Et on a aussi étudié la variété d'Evolène parce que, comme vous le savez très certainement, au niveau de la morphologie nominale, il y a quand même des traits très intéressants spécifiques à Evolène. Donc on a plusieurs locuteurs dans les trois variétés de franco-provençal dont je vais parler maintenant. Et puis, l'idée, c'était d'essayer de voir si dans ces variétés, on pouvait trouver des généralités aussi au niveau des paradigmes et des classes flexionnelles. Donc, on a Evolène en Suisse, et puis Saint-Nicolas et Phénice ici dans la vallée d'Ost. Pour regarder si on avait de la régularité dans ces variétés, on a pris un cadre théorique qui s'appelle la morphologie de réseau. Et l'idée, très brièvement, je ne vais pas vous expliquer toute la théorie en détail, mais l'idée, c'est de représenter les généralisations qu'on a, donc les généralisations morphologiques qu'on a au niveau des paradigmes et de les représenter de façon hiérarchique. Donc l'idée, c'est de prendre ce que les différentes classes, ou ici les noms qu'on va regarder, les classes de noms ont en commun, donc les caractéristiques morphologiques qui sont non marquées, et puis de voir lesquelles sont transmises d'une classe à l'autre, et aussi de marquer celles qui sont différentes, donc qui seraient irrégulières.
Je vais vous donner un exemple du latin, les noms en latin. Donc voici une représentation qu'on peut faire. Donc très brièvement, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais l'idée c'est de montrer que pour chacune des classes nominales, donc je pense que vous savez, il y en a 5, il y a une caractéristique qui est partagée, c'est que quand on prend le pluriel, la forme du datif et de l'ablatif est la même pour chacune des classes. Et donc ce qu'on veut représenter dans cette structure, c'est justement ce fait-là. Donc c'est ce que vous avez en haut, ici. Donc si je vous montre là, le défaut, c'est ce qu'on appelle le défaut. Donc les caractéristiques qui sont non marquées. Et puis pour deux des catégories de noms, on a une terminaison qu'on marque là, qui est IS. Ça, c'est donc le défaut. Et ensuite, ce qu'on voit dans cette structure, c'est que ça représente deux catégories nominales. Et puis ensuite, le reste du paradigme est mentionné là. Et puis, ce qu'on peut montrer, ce qui est intéressant surtout, c'est que, en fait, il y a d'autres catégories nominales qui ont la même propriété dans le sens que la forme plurielle du datif et de l'ablatif est la même, sauf que la terminaison, dans ce cas-là, c'est plus is, mais c'est ibus, et c'est pour les catégories 3 et 4. Alors, on n'a pas mis tous les détails de la catégorie 4, il n'y a pas la catégorie 5 non plus, parce qu'il n'y en avait pas la place. Mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait avec cette structure-là. Et puis les termes qu'on utilise, on a d'abord des nœuds. Donc les nœuds, ça représente un endroit dans ces réseaux de propriétés morphologiques, justement qui représentent les propriétés morphologiques. C'est souvent les catégories, donc les classes nominales ici. On a ce terme de défaut, ou qui représente les options qui sont non marquées. Donc elles sont en rouge, là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles propriétés passent d'une catégorie à l'autre. Donc, elles sont héritées. On parle d'héritage, des propriétés morphologiques. Et puis, après, celles qui ne sont pas régulières. Donc, on a en anglais le terme « override ». Donc, il y a des dérogations par rapport aux défauts qu'on a plus haut. Donc là, vous voyez, quand j'ai mentionné « ibus », c'est une dérogation par rapport au standard ou par rapport aux formes par défaut. Donc, on a utilisé ce cadre théorique pour essayer de représenter les classes fonctionnelles des trois variétés qu'on a analysées. Donc, si je prends d'abord Saint-Nicolas pour commencer, donc on a choisi cette variété-là parce que, comme je vous ai dit, on a fait un travail de terrain ici, mais aussi parce qu'elle a des caractéristiques partagées par beaucoup de variétés. Donc, c'est une des plus communes, disons, si on peut dire. Et dans cette variété ici, que vous connaissez forcément tous bien, si on prend les noms et qu'on essaye de les mettre dans des catégories, on obtient deux classes flexionnelles qu'on a représentées ici. Donc la première, vous voyez qu'il y a le radical qui est représenté par A avec une flexion vocalique qui est différente au singulier et au pluriel. Et dans cette catégorie-là, il n'y a que des noms féminins. C'est la catégorie qui vient du latin, si vous voulez, la première classe latine avec ces deux terminaisons que j'ai mentionnées. Et puis dans cette catégorie, on trouve des noms qui sont hérités, donc franco-provençal, mais aussi des noms d'emprunt. Bien évidemment, comme vous le savez, il y a beaucoup de variations aussi dans ce qu'on trouve, mais c'est des variantes phoniques et donc qu'on retrouve par rapport aux terminaisons. Dans la catégorie 2, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis uninflected pour dire qu'il n'y a pas d'inflexion, mais c'est simplement que le radical est utilisé au singulier et au pluriel et qu'il n'y a pas de terminologie. Et dans cette catégorie-là, on trouve des noms masculins et féminins. C'est donc pour ça qu'on a mis qu'une seule cellule ici. Et ce qu'on voit là, c'est vraiment une conséquence de l'évolution qui a eu lieu, en particulier la disparition généralisée du S qu'on trouvait à un moment donné. Et donc, si on veut représenter ça dans notre cadre théorique que je vous ai présenté très brièvement, voici ce qu'on obtient en fait. Donc, comme je l'ai dit, si dans votre tableau là, avec les classes flexionnelles, on met là où il n'y a pas d'inflexion, on garde le radical AA dans les deux cellules là. Ce qu'on a en commun en fait, c'est le fait que la morphologie du singulier, c'est le radical sans suffixe, sans terminaison. Et puis au pluriel, on a la même forme qu'au singulier. Donc c'est ce que vous retrouvez ici dans le défaut. Donc ça serait ce qui est non marqué. Et donc, ce qui est le défaut dans cette variété, c'est la classe 2, c'est celle qui est non marquée. Et ensuite, on peut indiquer ici la dérogation, c'est-à-dire le fait, je ne sais pas si vous voyez ou si je suis sur l'écran, mais le fait
si je suis devant l'écran, le fait que, en fait, s'ajoute à ce défaut-là une dérogation, c'est-à-dire la classe 1, quand on a des terminaisons, donc vocaliques pour le singulier et pour le pluriel, et en plus que ceci ne s'applique qu'au nom féminin ou à certains noms féminins. Donc vous voyez la hiérarchie et vous voyez ce qui est généralisé et ce qui est plus particulier, qui représente donc le défaut respectivement et puis la dérogation. Si on prend, donc ça c'était simplement pour montrer ce qu'on trouvait dans le tableau. Si on prend maintenant la conclusion pour cette variété-là, ce qu'on voit donc, c'est que le défaut, c'est vraiment la catégorie numéro 2, c'est-à-dire que le nombre n'est pas marqué sur les noms. Si on prend la variété de Phénix, on a quelque chose de très similaire, dans le sens qu'on peut classifier les noms en trois classes flexionnelles. Les deux premières ressemblent à celles qu'on avait à Saint-Nicolas. Donc, on a des terminaisons vocaliques dans la première catégorie. Ensuite, on a toute une classe de noms qui sont invariables au pluriel. Donc, on a la même forme au singulier et au pluriel. C'est ce qu'on voit dans le tableau. Et ensuite, on a une troisième classe flexionnelle pour laquelle on a aussi des terminaisons vocaliques. Et puis, on voit en fait que c'est le suffixe A du latin qui s'est transformé en différents exposants au singulier, et c'est pour ça qu'on a ces deux classes flexionnelles. Donc c'est par rapport aux environnements phonologiques dans lesquels on trouve ces noms. De nouveau, si on veut représenter ça dans notre cadre théorique avec ces représentations-là, on voit que le défaut, c'est le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la classe qui est invariable, où on a la même forme pour le singulier que pour le pluriel et où il n'y a pas de terminaison. Donc ça, c'est le défaut qu'on voit en haut. Et puis ensuite, on peut montrer les dérogations, les cas qui sont irréguliers ou qui sont plus spécifiques, c'est-à-dire quand il y a une morphologie qui s'ajoute au radical, au singulier et au pluriel. Donc ici, vous trouvez les deux voyelles qu'on voit bien là. Et ça représente la première catégorie. On a ce override qui nous dit que ça prend la place du défaut. La troisième catégorie, on la voit là. Et ce que vous voyez indiqué en bleu, c'est que justement, ce qui est nouveau par rapport à ça, c'est la forme du singulier. On a bien sûr le radical A plus une terminaison qui est vocalique, mais le reste ici, que ce soit le pluriel ou le fait que ce soit seulement pour des noms féminins, reste. Donc, on voit bien ce qui est hérité, donc ces deux propriétés que je viens de mentionner, et ce qui est nouveau, c'est-à-dire la forme qu'on a pour le singulier qui s'attache au radical. Donc là, de nouveau, la conclusion, c'est que le nom par défaut à Phénix n'est pas marqué pour le nombre. Donc le défaut, c'est vraiment l'invariance. Ce qui est intéressant est de voir qu'ensuite, par rapport à ça, on a les classes plus complexes qui se construisent. Si je prends Evolène, donc je pense que vous êtes tous familiers avec les spécificités morphologiques d'Evolène, et là on voit tout de suite donc au Valais qu'il y a plus de classes morphologiques, comme vous pouvez le voir, classes flexionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les trois premières reprennent ce qu'on a vu à Phénix. Donc on a deux classes pour lesquelles on a des terminaisons vocaliques, c'est la classe 1 et la classe 3, et on a aussi la classe 2 où on a un tas de noms qui sont en fait invariable au singulier et au pluriel. En plus de ça, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a trois catégories, trois classes flexionnelles qui sont différentes parce qu'on a un suffixe sigmatique qui apparaît. Donc, pour cette variété-là, la stratégie dominante, c'est la suffixation, si vous voulez, et non l'invariance. Donc, c'est différent des deux précédentes qu'on a vues. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des différences par rapport aux variétés de la vallée d'Ost que j'ai présentées, c'est-à-dire la première, où on a plus de classes flexionnelles, mais surtout cette possibilité d'avoir une opposition entre le pluriel et le singulier qui est non marqué et qui est donc de type privative, où on a le « che » ou le « se » qui se rattache au nom. Et puis aussi, dans une des catégories, un changement sur le radical, donc c'est la catégorie 5, où le radical change aussi. Ce qui est intéressant par rapport à ces terminaisons, c'est de voir que
Donc il y a deux types de suffixes, que ce soit sigmatique ou bien vocalique. Et puis très souvent, il y a une correspondance avec le genre du nom. Donc comme on l'avait vu tout à l'heure par rapport aux classes flexionnelles où il y avait du marquage vocalique, il s'agissait de noms féminins. On le voit bien dans le tableau là aussi qu'on n'a pas de nom féminin dans les classes 1 et 3. Et on voit aussi que pour le marquage sigmatique S, il s'agit de noms masculins. Donc le genre est vraiment important dans ces classifications, alors que pour le CH, qui est aussi sigmatique, on a des noms masculins et féminins. Donc il y a une différence ici. Je vais vous montrer bien sûr le schéma qu'on peut utiliser pour représenter toutes ces spécificités. Mais d'abord, juste pour... bien sûr, on voit qu'Evolène est marquée pour le nombre, mais pour reprendre un petit peu les résultats principaux de ce qu'on voulait montrer, c'est que, en fait, dans les variétés qu'on a étudiées, on a des systèmes clairs de classes de déclinaison nominale, 2 à Saint-Nicolas, 3 à Phénis, 6 à Evolène, et puis qu'il y a quand même deux stratégies qui sont très productives quand il s'agit du marquage du nombre. C'est la stratégie de l'invariance, donc c'était ce qu'on a vu dans la catégorie 2, et puis ensuite le changement vocalique dans les catégories 1 et 2, et comme je l'ai dit, celle-ci est souvent rattachée au genre aussi, puisqu'il s'agit de noms féminins. À Evolène, par contre, on a une stratégie qui est non productive, donc on trouve vraiment cette suffixation seulement à Evolène, c'est le pluriel sigmatique. Comme je l'ai dit, la variance, c'est vrai, c'est la stratégie dominante à Saint-Nicolas et à Phénis. Donc, si on reprend les tableaux qu'on avait, c'est ce qu'on peut voir dans les tableaux, c'est ce qui ressort de notre classification. Alors que à Evolène, c'est plutôt une stratégie de suffixation et d'alternance des voyelles. Si on peut montrer que la variance, c'est le défaut dans certaines variétés, alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le marquage du nombre s'ajoute, en fait, si vous voulez, à ces stratégies d'invariance, puisque c'est ce qu'on a vu dans les arbres représentés par override, donc les dérogations. Et comme je l'ai dit, le marquage qui s'ajoute, il peut être de type soit vocalique, soit de type sigmatique. Et de nouveau, on a des restrictions par rapport au genre du nom. Ce qui nous intéressait, et ce qu'on a mentionné aussi au début, c'est justement de savoir comment le nombre est marqué sur les expressions nominales, donc pas juste le nom, mais c'est vrai que s'il y a beaucoup de noms qui n'ont pas de marque de nombre, si se combine avec l'élément 2 qui nous intéresse en particulier, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de ces syntagmes nominaux qui ne sont pas marqués pour le nombre, et ce n'est pas des exceptions, donc c'est quelque chose de productif et de fréquent, que ce soit au niveau du type ou du token. Maintenant, je vous ai parlé des spécificités des volènes. Si on prend la représentation donc en représentation de morphologie en réseau, voici ce qu'on retrouve. L'idée, donc ici j'ai mis que c'était une synthèse, dans le sens que c'est l'arbre ou la représentation qu'on aurait pour Evolène, mais en même temps, ça s'applique aux deux autres variétés qu'on a vues. Si on prend le défaut ici, donc en parlant d'Evolène, le défaut, c'est de nouveau ce que vous avez ici en haut de cette représentation, c'est-à-dire le fait que les noms masculins et féminins peuvent être marqués par une terminaison sigmatique, donc le CH, ça c'est le défaut. Et puis à partir de là, on peut montrer ce qui est différent et donc ce qui n'est pas systématique. En particulier, donc ça concerne le marquage du pluriel, et on voit qu'il y a deux possibilités. Donc là, c'est le marquage pluriel qui est aussi sigmatique, mais pour lequel on a cette fois un S, donc on indique ce qui est différent. Donc c'est plus le CH qu'on avait pour les noms masculins et féminins, mais c'est plus que le S, et dans ce cas-là, ça s'applique seulement aux noms masculins. Et là aussi, on peut faire une distinction. Donc, si on regarde les noms de la catégorie 5, on avait mentionné dans le tableau qu'il y avait un changement sur le radical. Donc, c'est la seule chose qui change ici par rapport à ce qu'on avait là. Donc, ça, c'est ce qui est plus spécifique. Et donc, on voit bien les propriétés qui sont héritées et celles qui sont différentes quand on regarde l'arbre, qu'on représente ses propriétés morphologiques de façon hiérarchique, comme ici.
Donc ça, c'était pour le pluriel sigmatique. On a aussi le pluriel vocalique ici. Donc on a de nouveau l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure pour Phénice. Donc cette partie de l'arbre, elle ne change pas. Et c'est ce qui est intéressant quand on représente ainsi les différentes propriétés morphologiques, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même de cohérent dans le système. Donc comme je l'ai dit, à partir de là, du nœud 1, c'est la même représentation que pour Phénice et puis aussi Saint-Nicolas, puisque Saint-Nicolas c'était simplement une sous-partie, si vous voulez, de l'arbre pour Phénice, de la représentation pour Phénice. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut penser en termes d'évolution, c'est-à-dire de se dire que ce qui s'est passé, en fait, au moment où les variétés de franco-provençal ont perdu ce pluriel sigmatique qui apparemment existait quand même dans beaucoup de variétés et qui a disparu, c'est que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il semblerait que les options du haut de l'arbre aient disparu. Donc il y a une sorte d'élagage, si vous voulez, dans les possibilités de marquage du nombre sur les noms. Et donc toute la partie supérieure de la représentation a disparu dans les variétés comme celle de Saint-Nicolas et de Phénice. Et puis ça signifie qu'en fait on a passé d'un défaut qui était un marquage sigmatique pour les noms masculins et féminins qui était le che, à un autre défaut. Donc maintenant c'est plus marqué défaut dans l'arbre puisque c'est une sous-partie du système des volaines. Mais quand on avait l'arbre pour Phénice, on avait ici le défaut qui était la variance. Donc on a passé de ce défaut là qui est le marquage sigmatique en che à un autre défaut dans les autres variétés où c'est la variance, si vous voulez. Et donc de représenter les propriétés morphologiques avec ce type de représentation, ça nous permet de voir ce qui a été hérité, ce qui a changé aussi au cours de l'évolution. Donc maintenant, si je reviens aux questions de recherche de base, on a parlé d'invariance et c'est ça qui nous intéresse, puisque quand on a ce 2, cet article indéfini 2, on a une invariance au niveau de toute du syntagme nominal. Et puis, donc, la question, c'était de se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec le type roman? Est-ce que le franco-provençal est vraiment problématique? Si les syntagmes nominaux doivent être marqués pour le nombre, qu'est-ce qui peut remplir cette fonction? Alors, bien sûr, on a le pluriel sur les noms qui peut remplir cette fonction, comme on l'a vu dans des exemples tout à l'heure. On a bien sûr aussi les déterminants, différents types de déterminants, comme les articles partitifs, puisqu'il y a la partie « il est » qui marque le singulier et le pluriel. Donc, ces éléments peuvent marquer le nombre dans un syntagme nominal. Mais on a aussi l'article indéfini, puisqu'il est singulier. Et puis, la question de nouveau, c'est, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec deux? Est-ce que ces syntagmes nominaux-là n'ont vraiment pas de nombre? Et dans ce cas-là, ils sont problématiques pour le type roman. Et nous, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'en fait, il faut qu'on prenne le nombre dans sa signification dans sa signification où il y a une opposition triple, si vous voulez, tripartite, qu'on a représentée ici. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on dit une pomme, c'est singulier, mais on a surtout aussi une référence atomique. Quand on dit des pommes, c'est un pluriel, mais on a une référence qui est cumulative. Et quand on dit de la pomme, on a un singulier, mais c'est une référence cumulative. Donc, quand on a des pommes, la référence cumulative, c'est qu'on a des ensembles d'ensembles d'individus, alors que quand on a des noms massifs, on a des ensembles d'ensembles de portions, si vous voulez. C'est comme ça qu'on représenterait le nombre. Et on voit cette option triple en espagnol, par exemple, où on a trois formes différentes pour les exemples qui sont donnés ici. Mais quand on regarde le franco-provençal, justement, dans les variétés où il n'y a pas de marquage sur le nom, par exemple, on obtient des formes qui sont semblables pour le pluriel indéfini et aussi pour le massif. Donc, des boulis, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais on a la même forme pour B et C ici. Et donc, on n'arrive pas à faire la distinction entre le pluriel et le massif. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de dire qu'en fait, ce D qu'on trouve en franco-provençal, mais qui est aussi une composante de l'article partitif, représente en fait la même fonction que le S pluriel qu'on a en espagnol, mais pas le S du franco-provençal à Evolène, comme je vais le mentionner. Et qu'en fait, ces éléments-là, ils indiquent la référence cumulative et qui sont une distribution complémentaire. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'idée que ce D, il représente un nombre, mais c'est le nombre sémantique et pas le nombre morphosyntaxique comme le singulier et le pluriel.
Et que ce qu'on voit, en fait, dans les exemples qu'on analyse, c'est que ce nombre-là est obligatoire, en tout cas en franco-provençal. Donc, pour dire que le franco-provençal, il répond au type roman, mais par un marquage de nombre qui serait sémantique et pas morphosyntaxique. Le nombre morphosyntaxique est marqué dans d'autres variétés où il y a des articles partitifs, par exemple, ou en français, mais ce marquage-là, il est optionnel. C'est ce qu'on voit en franco-provençal avec le « de » qui n'est pas marqué. Pour ce qui est du « s » et « che » à Evolen, alors l'idée, c'est de dire qu'en fait, c'est différent du « s » en espagnol qui est stigmatique et qu'on retrouve sur tous les noms. Et ça se voit clairement dans les classes flexionnelles que je vous ai montrées tout à l'heure, puisque ce S ou ce CH, on les trouve pas sur tous les noms, et on les trouve pas sur tous les noms masculins non plus. Donc on n'a pas vraiment moyen de savoir comment le pluriel d'un nom masculin se forme en franco-provençal. Donc c'est pas la même chose que le S sigmatique de l'espagnol. Et donc ici, on traite ça comme des indicateurs de classe flexionnelle. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on n'a pas de distribution complémentaire ici avec ce marquage-là et le « dé », ce qui est différent, justement, de l'espagnol, par exemple. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on part de l'idée où on propose que le marquage qui est obligatoire en nombre, c'est un marquage de nombre sémantique et que le marquage de nombre morphosyntaxique est optionnel. Et puis la question qui se pose maintenant, bien sûr, c'était notre deuxième question, mais alors, comment ça se fait qu'en français, on n'a pas cette possibilité d'avoir un article indéfini qui n'est pas marqué du tout pour le nombre morphosyntaxique? Et ce qu'on essaye de proposer, c'est qu'en fait, pour qu'une langue ou une variété puisse avoir un tel élément, donc qui est pas marqué pour le nombre morphosyntaxique, il faut que ça soit une langue qui ait le nombre, qui ait une morphologie qui permette d'isoler ou de marquer le nombre marqué et le genre marqué. Donc ce qu'on veut dire par marqué ici, c'est quand on ne parle pas du défaut, c'est-à-dire que en français et dans beaucoup de langues romanes, le nombre par défaut, c'est le singulier, le genre par défaut, c'est le masculin. Donc si on a une langue qui marque morphologiquement le féminin et le pluriel, alors ça peut permettre à cette langue d'avoir un article qui n'a pas ces marquages morphologiques-là. Et c'est ce qui fait la différence avec le français. Donc en franco-provençal, à part Evolène, qui est une exception, comme on l'a vu, c'est vrai que quand on a des noms qui ont une forme différente du singulier, ils sont féminins. Donc on a le féminin et puis le marquage du pluriel qui sont marqués morphologiquement. Et c'est ce qui fait la spécificité du franco-provençal par rapport au français, où il n'y a pas de marquage de pluriel, c'est juste orthographique, mais ça ne se prononce pas, et au niveau du féminin aussi. Si vous posez la question pour l'italien, c'est vrai qu'on a bien sûr aussi réfléchi. L'idée, c'est vrai qu'en italien, les terminaisons, elles sont souvent ambiguës, donc on les retrouve dans différentes classes flexionnelles, donc c'est différent du franco-provençal. Et c'est Elisabeth qui va prendre. Voilà, juste une conclusion, parce que je sais que c'était beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord introduit cette typologie de Gill, où les langues romanes sont considérées des langues qui marquent le nombre obligatoirement, mais on a vu que pour une grande partie des syntagmes nominaux et aussi beaucoup de variétés du franco-provençal, ce n'est pas le cas. Alors, on s'est posé la question de savoir quel nombre est marqué obligatoirement et de quelle manière. Nous avons vu que cette idée naïve d'avoir un article partitif quand on perd le marquage du nombre sur le nom ne fonctionne pas. Hein, cette hypothèse n'est pas confirmée par l'empirie ou l'analyse fonctionnelle. Donc, on a fait cette analyse morphologique avec les représentations hiérarchiques qui permettent d'identifier les stratégies par défaut. Et c'est donc l'invariance, la stratégie principale du marquage du nombre sur le nom, avec des exceptions importantes pour certaines classes flexionnelles du féminin. Ça, c'est important. On a vu que ce qui est en jeu ici, c'est une opposition qui a l'air d'être ternaire, donc singulier atomique, pluriel indéfini, singulier massif, mais qui, dans les analyses de la philosophie du langage aussi de Quine, s'avère être binaire. Donc on oppose la référence à un individu atomique à la référence cumulative, ça veut dire à des ensembles d'ensembles. Et le « de » et le « s » pluriel agglutinatif indiquent tous les deux la référence cumulative opposée
à la référence atomique marquée par UNOS, donc l'élément dérivant de UNOS. Et ce nombre-là est obligatoirement marqué dans les langues romanes. Donc si on change un peu la perspective, on voit que les langues romanes sont les langues du type 3, seulement il s'agit de nombres sémantiques. Et la comparaison avec le français, finalement, a montré la pertinence de la morphologie nominale entière. Donc, il faut vraiment analyser et prendre au sérieux toutes les classes de déclinaison où on voit que le franco-provençal a ce marquage du nombre pour les noms féminins, donc surtout les classes AE ou EE. Et un tel système rudimentaire, si vous voulez, de marquage du nombre est suffisant pour admettre un déterminant non fléchi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication très ponctuelle sur un domaine très, très, très ponctuel aussi. Et donc, voilà, pour une ouverture vers d'autres approches et d'autres champs de connaissances. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions plus en général sur la demi-journée aussi, puisqu'on a encore quelques minutes. Très intéressant, merci. Et vous avez trouvé quel phénomène de contact avec les variétés italo-romanes, par exemple, c'è des instabilités dans le système, s'il y a toujours ce système de marquage, ou quelquefois dans quelqu'un formateur, ou dans un certain contexte, vous avez trouvé quelqu'un instabilité, je pense. Que c'est très fréquent dans les patois aussi du Piémont, de la vallée d'Aoste. Merci beaucoup de la question. Effectivement, ce sont les résultats d'un projet commun avec Cecilia Poletto, qui, elle, a fait aussi du terrain dans les dialectes italiens du Nord. Et là, avec Francesco Pinzi, dans plusieurs publications, elle a trouvé des systèmes aussi avec de la variation, mais entre l'article partitif et zéro. Donc, ce qui nous a frappé, nous, c'est l'existence de ce 2 invariable qui se trouve aussi dans des variétés occitanes, etc. Mais le système du franco-provençal avec le 2 était vraiment unique. Et si je me rappelle bien, il n'y avait pas trop de contact. Donc, on pouvait très bien distinguer les systèmes du piémontais avec ceux du franco-provençal. Mais merci de la question. Il n'y a pas d'autres questions, passons la parole à Christiane. Merci beaucoup. Encore merci. Alors, il nous reste peut-être une minute, j'informe tout le monde qu'en faisant un peu de rangement et de classement des stocks de notre revue, nous avons vu qu'on peut reconstituer deux séries presque complètes, à l'exception vraiment de quelques numéros très anciens. Et donc, on a reconstitué la série. Si vous voyez où on pourrait la placer, nous sommes contents de l'offrir à une bibliothèque ou un centre de recherche ou quelqu'un qui n'aurait pas encore eu l'occasion de recevoir notre revue, mais qui pourrait être intéressé dorénavant de recevoir, ou en tout cas de recevoir les numéros qui sont là. Donc simplement, on en parlera si quelqu'un a quelques suggestions à nous donner. Merci. Et là, on peut descendre tranquillement à l'étage en bas et on pourra s'organiser pour un petit repas qui ne prendra pas trop de temps et qui nous permettra de discuter tranquillement un moment et puis de monter pour l'après-midi.